Et bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus au sein de ce nouveau numéro du Sunday de l'Addition. Je suis avec Aether, mon ami de toujours. Comment vas-tu? Salut Dotom, comment ça va? Bon, écoute, on fait aller, hein. Voilà, on est bien, on revient pour les vacances. Voilà, on va déterrer tous ceux qui sont à la plage, à la montagne, sous leur lit, en train de faire des cauchemars pour lundi, car peut-être qu'ils reprennent lundi, on n'en sait rien. Et Ah ce bah, serait. Ouais. on est à la suite de l'aqueduc de la semaine du 15 août, voilà. L'aqueduc, hein, comment tu dis ça? Ah bah oui, bah forcément, c'est Mercredi, logique. jeudi, C'est vendredi. une semaine de l'année. Ouais, non, tu pouvais faire lundi, mardi et mercredi, vendredi, et du coup, en posant 4 jours de congé, tu faisais des vacances de 9 jours. C'était pas mal. C'est énorme. En fait, c'est assez énorme. Donc, ouais. Et donc, on commence par quoi? On commence par directement présenter ce qui s'est passé? Donc, la PlayStation VR avec 3 millions de ventes. Alors, ça, pour le coup, j'aurais jamais imaginé que. Je sais pas, si, ça me semble pas énormément non plus, 3 millions de ventes quand on voit comment part la Switch. Ouais, mais comparé à Oculus Rift, tout ça, ça reste quand même des chiffres assez énormes, quoi. Ouais. Non? Effectivement, ouais, mais bon, en même temps, faut pas oublier que c'est quelque chose de beaucoup moins cher, de beaucoup plus simple à mettre en place aussi. Beaucoup plus simple à mettre en place, tu parles pour les éditeurs. Pour les éditeurs, absolument, oui, parce qu'il n'y a pas toutes les machines à calculer à l'avance. Ouais. Parce que pour le lambda, c'est quand même un truc rempli de fils, hein, je rappelle, hein, c'est un truc. Oui, C'est une bon, espèce de c'est merdasse, pleine de déjà câbles. beaucoup plus simple à installer qu'un truc VR classique. Franchement, je sais pas. Tout le monde se plaint justement de ces trucs-là, donc D'accord. je pourrais pas trop t'en dire plus vu que je n'ai testé ni l'un ni l'autre, en tout cas au niveau de l'installation. C'est vraiment bizarroïde comme machin, quoi. C'est vraiment bizarroïde, je sais qu'il y a énormément de câbles. Les gens se plaignent de ça, les gens se plaignent aussi que techniquement ce ne soit pas abouti du tout. Et il y a une dernière catégorie qui ne se plaint pas, qui se dit ouais, chouette, c'est super chouette d'avoir du. De la VR à la maison, mais qui n'y joue pas. Ouais, absolument. Et salut Sons of Liberty. Oh, ouais, ça va et toi? Mais ouais, donc la dernière catégorie qui est d'ailleurs la plus nombreuse. Hein, j'ai encore eu un pote il n'y a pas très longtemps qui revendait la sienne. Non pas qu'il n'aime pas, il apprécie énormément, mais voilà, ça s'est posé quelque part, ça prend la poussière. Voilà, c'est la Wii du futur, la PlayStation VR, c'est pas autre chose, je ne vois pas. Perso, je vois pas plus que ça les applications jeux de ce truc-là. Après, ça s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, je trouve ça assez énorme. C'est quand que c'est sorti pour rappel, sorti un an, non? C'est ça, un tout petit peu plus d'un an? C'est plutôt pas mal pour une machine qui a un an. Ouais, absolument. Ouais, voilà, c'est ça, Son of Liberty. On fait hein, une revue de presse, une revue De de ce qui s'est presse. un peu pendant cet été. Voilà, ces derniers temps. Et donc la VR à 3 millions d'exemplaires, c'est pas. Ouais. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour une machine qui débute, mais ouais. Il reste à ce qu'elle fasse ses preuves et j'ai l'impression qu'au niveau marketing, elle suit le même chemin que la Vita. Je peux me tromper, mais tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Ah oui, autre chose, c'est une nouveauté ça, dans le Sunday l'Addition. Si jamais vous pensez que tout est à l'envers, c'est normal parce qu'après on le remet sur YouTube, c'est pour que les bots YouTube s'en prennent plein la gueule en mode ouais, on va peut-être pas te voir tout de suite quoi. Voilà, c'est ça. C'est une mesure de protection, on dira. Voilà, peut-être un peu inutile, j'en sais rien, on verra, c'est la première fois que j'essaye. On va passer à la suite, veux-tu? Faisons ça. PUBG Mobile. Alors ça aussi c'est un petit peu une surprise. PUBG retrouverait des joueurs. 100 millions de downloads sur mobile. 14 millions de joueurs un jour quotidien. C'est plutôt pas mal. C'est assez gigantesque, effectivement. Je pensais pas. Mais bon, à côté de ça, ils ont inclus toutes les mécaniques de jeux mobiles qu'ils pouvaient, c'est-à-dire pour pousser à l'addiction. Enfin, voilà. Si tu te reconnectes tous les jours, t'as des bonus. Enfin, voilà.
Oui, en même temps, on va pas leur jeter la pierre, hein. C'est Non, c'est un classique aujourd'hui. le coup classique, mais là, ils se rachètent plutôt bien par rapport à la concurrence, hein. Oui, sûr. Fortnite, pour ne pas en parler, parce que bon, Fortnite, pour le coup, ça se vend super méga bien sur PC, ils C'est vendent clair. énormément de skins comme pas possible, au point d'avoir des clients à eux, enfin bon, ils sont même pas sur Steam ni quoi que ce soit, c'est. Enfin bon, bref, c'est. Ça marche du feu de Dieu ce genre de jeu. Après PUBG, ça marche encore, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne sais C'est une pas. bonne question. Parce que bon, pour l'instant, c'est un phénomène de mode, mais bon, on voit encore DayZ qui fait des. Qui bouge encore, tu vois. Alors que DayZ. Comment te dire que ça commence à être vieux et que ça roule sur un phénomène de mode qui était là il y a quelques années et qui n'est plus là? Le survival zombie, enfin bon. Bref. Bref, où est-ce qu'on en est? Ah oui, Forza Horizon 2 qui est retiré du store. Après Forza Horizon 1 au début de l'année, Forza Horizon 2 a été retiré. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous en parle, mais c'est juste que j'ai une certaine affection pour ce jeu. Je trouve que c'est peut-être le jeu de voiture le plus inspiré de la génération et là qui retire à chaque fois les suites du enfin les différentes différents épisodes du store, je trouve ça vraiment dommage qu'ils fassent de cette manière-là, ils pourraient les laisser parce qu'en plus ils ont chacun leur personnalité, ils sont très très différents. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est un peu J'ai pas vraiment d'idée sur la question puisque je suis pas un grand joueur de ce type de jeu. Mais si. Mais c'est en effet c'est bizarre qu'ils fassent ça. Ouais. Mais ils font ça à chaque fois, tu vois. À chaque fois qu'il y a l'annonce d'une suite, ben, celui qui est arrivé 2 épisodes avant, ben, il se fait shooter. Il saute. D'accord. Puis complètement shooté, quoi. Genre, on peut plus rien acheter, même pas les DLC. C'est un peu moche, quoi, d'établir ce genre de relations de non-confiance. Parce que vraiment là on est sur ouais. C'est dommage quoi, c'est genre vas-y dépêche-toi, achète-toi les DLC et puis parce que sinon tu ne pourras plus jamais les racheter, ce sera mort pour ton jeu quoi. C'est aussi un problème, ça, pour l'avenir du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, en fin de compte, plus ça va aller, plus quand on jouera des vieux jeux, on va se retrouver avec les jeux qui seront tronqués parce qu'on n'aura plus moyen d'obtenir les DLC ou des trucs comme ça. Ouais, bah c'est l'avenir du jeu vidéo moderne. On ne pourra plus les retélécharger et pire, on n'aura plus les patchs Day One. T'imagines, les patchs Day One, quoi. Le truc qui te permet de jouer en fait. Ouais. Que dire de plus, voilà. Bah ouais, comme d'hab, Enfin, ouais. voilà. Comme d'hab, c'est moche, quoi. Bref, on avait retenu autre chose pour vous, c'était justement une démo jouable. Si vous avez envie de jouer un petit peu à du Monster Hunter, puis là, ce coup-ci, du Monster Hunter plus à l'ancienne, un petit peu plus rudimentaire que le Monster Hunter World. Il s'agit de Monster Hunter Generation, ou double X hein, pour les Japonais, qui est sorti ce jeudi hein, sur l'eShop. J'ai pas encore téléchargé, je me tâte là-dessus. Déjà, je me tâte sur Monster Hunter World. Parce que bon, c'est une licence qui m'a refroidi direct. C'est pas trop le genre de jeu qui m'intéresse, mais je sais qu'en ce moment, c'est la grosse hype. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont tous en ce moment sur Twitch. Tous les streamers moyens ou petits jouent à. Enfin, même pas moyens, tous les petits streamers jouent à Monster Hunter World. C'est un petit peu le jeu de la hype en ce moment sur Twitch. Ça m'intrigue un peu. Je voulais essayer. Je me suis pas trop lancé dedans. Puis en me souvenant des précédents épisodes, je me suis dit bon. Ok, dépenser plus de 30 balles là-dedans pour te dire que ouais, tu vas peut-être pas trop y jouer parce que c'est un genre que t'apprécies pas trop vu que c'est énormément comment dire, de rencontres de mobs avec des mobs qui sont compliqués en plus à abattre. Je sais Ouais. pas.
Même chose. En fait, là, vraiment, c'est plusieurs sujets à la suite où j'ai pas grand-chose à dire. En fait, je suis un peu sur le cul par rapport à ce qu'ils annoncent. Ouais, c'est pas trop ta came non plus, quoi. Voilà, c'est alors ok, Monster Hunter, c'est bien, mais n'ayant pas de Switch, n'ayant pas joué à aucun Monster Hunter, j'ai dû jouer sur PSP à un Monster Hunter une fois il y a peut-être 10 ans. Voilà, j'ai pas vraiment quoi que ce soit à dire. Donc ça reste une bonne licence, je pense qu'il faut suivre ça. Mais voilà. Oh, c'est pour ça que je l'ai mis, hein. Il y a des fans. Autant qu'ils aillent l'acheter, le jouer, la télécharger, enfin bon, il y a de quoi faire, quoi. Alors, on va passer à la suite, et là, ça va peut-être intéresser un petit peu plus. Ça va peut-être intéresser un peu plus de monde. Avec Electronic Arts qui nous balance une nouvelle bande-annonce pour Battlefield 5. D'ailleurs, je pense qu'on va se la regarder, ça te va? En faisant ça. Alors, on va le faire dans cet ordre-là. Ok, donc ça va encore mettre à genoux ça pas mal de config, hein, c'est Absolument, ouais, c'est énormément de pré-rendu, je pense aussi. De quoi sur la vidéo Sur la vidéo, ouais, je pense que c'est pas une PS4 qui fait tourner ça. Non, non, là je confirme, ni une Xbox One, hein, vu que c'est un trailer Xbox One. Oui, mais enfin bon, tu m'as compris. Je pense pas que ce soit une console de salon qui fasse tourner ce genre de truc, voilà. Non, non, ça j'en suis même persuadé, mais en tout cas ça en fout plein la gueule. Et cette fois-ci ils l'ont pas appelé Battlefield 2, tu vois, parce que bon, la Première Guerre mondiale c'est Battlefield 1, la Deuxième Guerre mondiale c'est Battlefield 5, ils reprennent le cours du décomptage précédent. Je trouve ça un peu bizarre, non? Ouais, mais c'était Battlefield 1. C'était pour World War 1. Donc, et là, donc, du coup, effectivement, il l'appelle Battlefield 5. Il y avait déjà eu des Battlefield, oui. On avait eu droit à Battlefield, bah, les tout premiers, Battlefield 1942. C'était déjà la guerre mondiale. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment appeler ça Battlefield 2, dans le sens où il y avait déjà eu des Battlefield dans la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas, moi je pense que ça aurait été quand même dans la lignée, quoi. Enfin bon. Moi Ils auraient pu, j'attends de voir. avec écrit donc tout en lettres, en grandes lettres, quoi. Voilà. Je sais pas si tu l'attends du coup celui-là ou si tu vas gentiment passer ton tour. Très mauvais au FPS, je vais gentiment passer mon tour. Pour moi, Battlefield, c'est comme Call of Duty, y a des gens, ils ont le droit d'aimer ça, mais moi, c'est pas ma came. Ok. Ok,
Ok. Moi, j'attends de voir. J'avais beaucoup aimé le 4 pour le côté multi et le côté justement grande map, etc. J'ai passé mon tour sur le One parce que bon, Première Guerre mondiale, il y a eu tout un tas de dramas sur les DLC. Pourquoi il n'y a pas les Français, tout ça. Voilà. Non seulement le cadre, mais en plus la politique DLC me plaisait pas du tout. Je me suis dit bon, c'est pas mon truc. On verra pour le 5. Deuxième Guerre mondiale, c'est pas du tout ma came non plus. Mais on verra s'il y a des gens qui s'y mettent, on verra si les DLC sont bien foutus ou si c'est juste pourri quoi. Si c'est juste pourri comme pour le One. Donc bref. Et si on parlait de vieux jeux annulés? De très vieux jeux annulés. Par Psygnosis. Pour ceux qui se. Absolument. Ouais. Un des éditeurs phares de l'époque, justement Amiga, Super Nintendo et compagnie, ils avaient sorti les meilleurs jeux d'Amiga. Par la suite, ce sont eux qui avaient fait aussi. Psygnosis qui a racheté Amiga et qui est devenu en fait qui a repris le nom Amiga par la suite. C'est-à-dire que la société aujourd'hui qui s'appelle Amiga, en fait c'est Psygnosis qui a piqué le nom. Ouais, t'es sûr, parce que Psygnosis, il me semble qu'ils se sont fait racheter par Sony par derrière, hein, pour Wipeout. Peut-être, mais il me semble fortement que c'est Psygnosis qui a racheté le nom Amiga. Là, pour le coup, je suis pas sûr du tout. Faut vérifier, parce que Psygnosis, juste derrière, en 96, ils s'étaient fait racheter par, justement, par Sony, et ils ont développé Wipeout pour Sony, quoi. Et du coup, t'as. Atari, c'était pas Atari d'ailleurs? De quoi? Qui avait acheté Amiga? Non, non, non. Le vieux Oh non, bisbille non, non. entre Atari et Amiga, c'est que t'avais les gars de. C'était d'anciens gars de Atari qui avaient fondé Amiga. Et en fait, le truc, c'est qu'ils avaient fait les plans pour faire un nouvel ordinateur et ils se sont cassés chez. Et certains mecs se sont rebarrés chez Atari pour faire cet ordinateur-là et Amiga avait développé le sien. Il me semble que c'était ça le Oui, gros ça c'était drama. ça, mais je me souviens plus quelle boîte est devenue en fait. Non, c'était pas d'Amiga dont je voulais parler, c'était d'Atari. Et il y a une boîte qui a racheté Atari et qui en a récupéré le nom en fait. Oui, c'est Infogrames. C'est C'est Infogrames. Bruno Bonnel. D'ailleurs, il est député Pas chez LREM de nos jours. Hein, pour. Psygnosis et Infogrames. Ouais. Il est député LREM et il fait du développement de drones. Un homme D'accord, très très bien. bien, hein, très bien, très bien. Voilà, on fera pas de politique là-dedans. Mais bon, bref. Infogrames, l'enfer sur Terre, tu m'étonnes. À part 24 heures du Mans, un des derniers jeux qui était sorti sur Dreamcast, ils ont fait quoi de bien, Infogrames? Ils ont fait des développements dégueulasses, quoi. Enfin, bon. Quoique, non, il y a eu Alone in the Dark, faut pas déconner. Il y a eu quand même de très bons titres de par Infogrames. Ils ont racheté Cryptic Ouais. en 2008 et qui a sorti juste derrière un MMO plutôt sympa qui s'appelait qui était la suite de City of Heroes qui s'appelait Champions Online. Ah oui, c'est eux. Et bah, ils ont racheté Cryptic juste avant que. Juste avant que ça grossisse. Ouais. Je parle d'Atari, hein, excuse-moi. Ouais, tu parles d'Atari, ouais, y a pas de souci, mais on va retomber sur nos pattes, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mais si on revient sur Psygnosis là. En dématérialisé, il va y avoir un nouveau jeu qui va sortir dans pas très longtemps. Un nouveau jeu qui avait été annulé en fait sur Mega Drive. Donc ça va sortir sur PS4, PS Vita, enfin bon, ce genre de choses. C'est Project Hardcore. D'accord. Alors voilà, que se cache derrière ce titre? Une espèce de. Comment ça s'appelle? De run and gun. Un platformer avec du gun. Qui a l'air d'être plutôt bien foutu, quoi. Alors ensuite, pourquoi est-ce que ça a été annulé à l'époque sur Mega Drive? Je ne saurais trop vous en dire. Peut-être qu'à l'époque, ils avaient d'autres produits en lice, hein, genre peut-être un Wipeout hein, sur Surtout. PlayStation, parce que là, il était prévu pour 94-95. Tu vois, c'est. Tu disais? Surtout, pourquoi est-ce qu'ils veulent le sortir maintenant, en fait? Ouais, ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont récupéré les droits. Il y a des gens qui ont récupéré les droits. Alors,
Voilà, Strictly Limited Games, c'est ça. Donc, tu vois, t'as une boîte qui a récupéré les droits, ils se sont dit, c'est quand même pas mal en ce moment. Il y a quand même pas mal de hype hein, sur tout ce qui est jeux annulés, jeux qui ne sortiront jamais. C'est plus que jamais d'actualité ce genre-là, quoi. Je pense qu'on va arriver sur un nouveau genre. Peut-être un jour, ils vont nous ressortir Star Wars 13-13, hein, on n'en sait rien. Hein. Ah, peut-être un jour. Mais ouais, il y a pas mal de hype autour de ces projets qui ont été annulés, ou alors peut-être qu'on reverra le Street of Rage 3D qui était censé sortir aussi il y a quelques années. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu aussi une cinématique, un trailer, plus ou moins trailer, qui était sorti il y a quelques années en disant ouais, ça sortira jamais. Ah bah merci. Bon, en même temps, le trailer, il ressemblait à rien. Hein. C'était ultra mal foutu, mais voilà. Et bon, tu vois, ça fait un projet de jeu indé assez correct. Hein. En plus, il y a de la vue de dessus. Enfin, bon, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa. Quoi. Pourquoi pas? Enfin, moi, j'attendrai toujours la suite, le jeu annulé de Clockwork Tortoise sur Mega Drive. Du second jeu de Clockwork Tortoise, le premier c'était sur Mega Drive, c'était The Adventures of Batman and Robin, qui était un jeu qui faisait cracher toutes ses tripes à la Mega Drive. Ouais. Les mecs, en fait, ils avaient embauché des mecs qui venaient de la démo scène. Et donc, les mecs étaient capables de faire sortir des effets complètement dingues à l'époque, des trucs qui étaient... Et le jeu The Adventures of Batman and Robin, visuellement, est génial. Toujours est-il qu'ils avaient, à la suite du gros succès de ce jeu, ils ont été... on leur a demandé de faire un jeu supplémentaire qui était basé sur la franchise X-Men, ce coup-ci. Mmh. Et le jeu... X-Women, parce que t'étais censé pouvoir jouer Tornade, celle qui vole les pouvoirs, je me souviens plus de son nom, et le troisième, je sais plus. Et troisième, celle qui était capable de se rendre intangible. Enfin bon, non, c'est pas Psylocke, enfin bon, c'est pas grave. Enfin, toujours est-il que tu jouais trois héros de l'univers des X-Men. Et ce jeu a été annulé alors qu'il était quasiment fini. Il y avait eu carrément des pubs dans les magazines. Il a vraiment été annulé au dernier moment parce que c'était les derniers mois de la Genesis, tu vois. Ouais, ça arrive ultra souvent. Ils l'ont annulé au dernier moment alors que le jeu était fini. Le jeu était fini. Et il n'y a jamais eu... Alors, c'est un peu une arlésienne, ce jeu, parce qu'il n'y a jamais eu un proto qui est sorti dans le public. Sérieux? Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible encore aujourd'hui de trouver un proto. Et même les développeurs qui bossaient à l'époque sont remis à chercher. Et tout ce qu'ils ont pu trouver, c'est des disquettes complètement corrompues. Et voilà. Ouais. Il n'y a pas un seul proto de ce jeu qui est dispo aujourd'hui. Ceci étant, si vous vous intéressez à ce genre de projet, il y a un site hein, spécialisé là-dedans. C'est Unseen64, qui est un site qui regroupe un peu tout ça. C'est des passionnés qui regroupe toutes les infos à longueur de journée. Ils ont même fait quelques bouquins plutôt sympathiques. C'est vrai que je m'en prenne un ou deux de leurs bouquins. Et ils sont très, 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 très bien, très forts là-dedans. Et on trouve toujours à boire et à manger. Hein. En plus, régulièrement, il y a des roms d'anciens jeux qui pop. Enfin bon, c'est assez riche, en fait, comme milieu. Donc... Je vous invite vraiment à aller regarder ce qui s'y passe, quoi. Voilà, les bêtas, les consolidated games. Il y a énormément de bêtas aussi. Hein. Ça aussi, c'est pas mal la mode. Entre autres, souviens-toi du Resident Evil 1.5, hein, le plus connu. Absolument, absolument. C'est vrai que ça avait fait pas mal de bruit quand il est sorti celui-là. Ouais, Resident Evil, soi-disant, qui devait être le 2, mais qui n'est jamais sorti parce que X raison, ils ont tout modifié en cours de route. Et donc c'était un jeu qui était très différent et il y en a même qui sont amusés à coder ce qui manquait quoi pour essayer de rendre le truc plus jouable. Le RE2 remake, ça sent le cul quand même. Ah bah oui, bah de toute manière, les remakes, ça sent le cul tout court. Hein. De toute manière, tant qu'ils font pas le jeu à plus de 30 euros, tout va bien. Mais le truc, c'est que je pense qu'il va être au prix fort.
Mais tu vas le prendre Day One vu que t'es un fan de la série. Ouais. C'est comme moi pour Shenmue, pourvu qu'il arrive après-demain. Mais bon, en tout cas, si ça vous intéresse, les Unseen, enfin les jeux qui ne sont jamais sortis, les bêta et compagnie, Unseen 64, c'est le site où aller, c'est le site où récolter ce genre d'infos et ce genre de petites choses intéressantes. Alors, où est-ce qu'on en est, nous? On en est. Ah oui, monsieur Heihachi Mishima qui est décédé cette semaine, qui était entre autres la voix du professeur Shen dans Pokémon, de Momochi dans Naruto, ou encore de Brad Wong dans Dead or Alive, ou Steve Armstrong dans Metal Gear Rising, Le enfin bon. Satan aussi. Ouais, il a fait énormément de rôles, ou même Jet Black dans Standard Cowboy Bebop. DBZ. Hein. Ouais. Donc un grand monsieur du doublage japonais, hein. Et il est décédé d'un cancer. Ouais, en plus un cancer pas le meilleur, hein. L'œsophage, c'est un des cancers du fumeur. Hein. Donc avis à tous ceux qui fument encore. Voilà ce qui risque De toute d'arriver. façon, vu de sa voix, c'était assez clair qu'il fumait. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ouais, il est décédé cette semaine et donc du coup. Ça va, ça a non seulement fait un choc, mais en plus au niveau des projets, ça va mettre un sacré frein parce qu'en fait au Japon, les seiyuu, comme ils appellent ça, sont ultra importants et quand un seiyuu décède, en général, ça peut sonner la mise à mort de certains projets. Ça peut sonner la mise à mort de certains projets vu que, si tu veux, ils sont tellement connus, ils sont tellement des stars qu'ils n'osent pas, voyez, tu vois, reprendre quelqu'un d'autre Ils osent derrière. pas C'est les rare. remplacer, ouais, Ouais. d'accord. C'est assez rare qu'ils se voient remplacer. Ça arrive, hein, pour de très gros projets, ils peuvent le faire, mais ils prennent le risque, mais c'est aussi un risque de dégoûter un petit peu les fans de la franchise qui ne retrouvent pas la bonne voix avec le bon Je vois. personnage, quoi. J'avais vu ça sur Lupin the Third à une époque, ils avaient remplacé un des doubleurs pour je ne sais quelle sombre raison. Mais alors ce film avait bidé, mais d'une force. Alors qu'il était bon, hein, il était bon. C'était le projet Fuma, enfin, pour les fans, hein. Rappelez-vous, je crois que c'était la voix de Jigen qu'ils avaient remplacé, et ça n'avait pas du tout plu. Et le film a bidé comme pas possible, quoi. Et pourtant, il était bon, il était bon. Donc. Si on passait à une autre nouvelle un petit peu meilleure, quand même, hein, d'un autre acabit, avec Time Splitters et Second Sight. Bon, Second Sight, je connais moins, je connais quasiment pas même. Par contre, Time Splitter, ça c'est une licence qui me parle, vu que ça a été quand même un des meilleurs FPS de son époque, époque PS2 GameCube, et qui n'a pas eu le droit d'avoir de suite à cause de. Il me semble qu'il y avait eu des problèmes de droit, et puis il y avait eu un troisième épisode qui était assez dégueulasse ou anecdotique. Et pour le coup, c'est THQ Nordic hein, qui reprend la licence. Et on l'espère qu'ils vont la reprendre avec brio et pas comme ils font pour l'instant, parce que pour l'instant, je trouve que THQ Nordic, c'est un peu beaucoup de reprises de licence, un peu beaucoup de HD remake et assez peu de réelles nouveautés. Donc c'est à voir. Je sais pas trop ce que ça va faire. Je sais pas trop ce que ça va valoir. Est-ce qu'ils vont nous faire uniquement des portages HD comme ils sont habitués, ou est-ce qu'ils vont nous faire autre chose de plus intéressant? T'en penses quoi du coup? Time Splitter, c'était ta cam? Second Sight, est-ce que tu connais du coup? Parce que moi, Second Sight. Alors, je ne connais, mais vraiment pas du tout, c'est... Ok, donc ni l'un ni l'autre en fait. Non, 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 absolument pas, c'est... Là, on est hors de mon domaine de compétences, je suis un peu perdu. D'accord. Bon, bah dans ce cas-là, on va passer, hein. C'est pas. On n'est pas obligé de rester dessus sans s'étendre. Par contre, là où ça va être ton domaine de compétence, à mon avis, c'est Diablo 3. Un peu plus, oui. Ouais, voilà. Diablo 3 Eternal Collection, qui arrive sur Switch, avec entre autres. Un thème spécial de Legend of Zelda en bonus. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Pouvoir jouer Ganondorf dans les failles, pourquoi pas? Écoute, ça peut être drôle. Voilà, mais sinon c'est. Après, pourquoi pas? C'est cool. Jouer à Diablo 3 sur une console portable,
Bah c'est moi je cracherai pas dessus. C'est pas ça qui me fera acheter une Switch, c'est Smash Bros qui me fera acheter une Switch. Mais honnêtement, s'il y a moyen de transférer mon compte, de pouvoir jouer à mon compte actuel, Diablo 3, sur Switch, ce serait pété, ce serait génial. Alors je sais pas s'ils me demanderont de repartir de zéro ou si je pourrais transférer mon compte et y jouer sur Switch. À Ça mon avis, c'est... tu vas repartir de zéro. Je suis pas sûr, mais Bon. non, c'est pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, le seul truc qui risque de faire chier encore une fois pour ce portage, ça va être la chose suivante, c'est que Diablo 3 sur console et PC, c'était des jeux qui demandaient à d'avoir une connexion tout le temps. Ouais, bah celui-ci va nécessiter une connexion, je pense. Bah sur Switch, ta connexion, tu l'as pas tout le temps. C'est un peu le problème. Ouais. Mais est-ce que la connexion sera nécessaire? Ça, c'est une bonne question, effectivement. Mais bon, ouais, c'est plutôt un bon move hein, d'avoir mis ça sur Par Switch. contre, là, du coup, il propose faire du multiplayer local à 4 joueurs. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas besoin de. Auquel cas, ce serait vraiment craqué. Qu'il n'y ait pas de besoin de connexion, ça, ce serait vraiment, vraiment fou. Je trouverais ça sympa en tout cas qu'ils aient pas besoin qu'on ait pas besoin de connexion. Ce serait mieux en tout cas. Ce serait un mieux. Bon, par contre, après, Diablo 3, qui est un jeu aujourd'hui qui est plutôt jeune, hein. Diablo 3, je dirais 2013, c'est ça? 2013, 2014. Enfin bon, c'est un jeu qui a bientôt 5 ans, bientôt 6. Voilà, le fait qu'ils nous le revendent 60 balles alors que tu peux le toucher à 30 euros à peu près partout ailleurs. Et encore, tu peux le toucher à beaucoup moins cher sur des sites genre G2A ou des... Voilà. Là, tu te demandes Bah, si c'est. ça reste la malédiction de la Switch, quoi. C'est ça. C'est de ressortir des vieux jeux au prix fort. Sans aucune nouveauté. C'est vrai que cette année est super décevante sur Switch. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quand même. Il y a quoi cette année? Bah, il y a Smash Bros, déjà. Super. Et il y a. Smash Bros, c'est déjà bien, moi, c'est tout ce que je demande. Un jeu par an, c'est quand même léger, non? Je trouve ça léger, moi ça me rappelle la Lynx, hein, tu vois. Très bon jeu, hein, mais un par an, c'est léger. C'est super léger, quoi. Super, super léger. Enfin bon, on n'est pas là pour faire le procès de la Switch, hein. D'autant que je l'ai en plus, hein, cette machine, mais. Un jeu par an, quoi. Bref. Là Ouais, encore. mais quel jeu? Ouais, non, mais bon, même s'il est excellent, même s'il est top, même C'est s'il plein de écrase promesses. tout. Ouais, et pour l'instant, ce sont que des promesses en plus. C'est vrai. Donc là, c'est encore une actu sur laquelle je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir en dire grand-chose, vu que c'est Ghostlight qui se colle à faire des portages sur Switch. On est toujours sur la Switch et des portages. D'accord. Et c'est des portages de petits JRPG qui commencent à dater. Donc. D'accord. On va pas jouer les Ah, fâchés, il mais faisait déjà des Ghostlight, il faisait déjà des portages de ce type, mais sur PC. tout à Donc fait. le fait de décider de les faire ça sur Switch, pourquoi pas? Oui, c'est naturel et normal, quoi. Mais quand même, quoi. On se retrouve avec du Sorcery Saga, du Omega Quintet, Lost Dimension. Ça a quelques années, ces machins-là, quoi. Je pense que tous ceux qui voulaient le faire l'ont déjà fait. Voilà, c'est. Moi, je les ai déjà eus sur Vita, parce qu'en plus, ce sont des jeux Vita à la base. Hein. C'est même pas des jeux, même pas des jeux consoles de salon de base. Ce sont des jeux Vita qui se sont vus porter sur PC et puis ensuite maintenant sur Switch. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Plutôt bonne nouvelle pour ceux qui voulaient voir du JRPG sur la machine, parce que c'est vraiment une machine qui est faite pour. Mais sorti de ça, je pense que tout le monde a déjà fait ces jeux-là, quoi. Je pense vraiment que tout le monde a déjà fait ces jeux-là. On passe à la suite? Je vais quand même revenir juste un peu en arrière. On a eu droit cette année à Dead Cells quand même en jeu Switch. Il vient de me revenir à l'instant à l'esprit, ce qui était plutôt un bon jeu. Voilà. Je le connais pas du tout là pour le coup. C'est un jeu qui est sorti il y a un mois ou deux.
D'accord, parce que là pour le coup c'est moi que tu perds un peu quoi sur un Dead D'accord. Cell. Je suis pas trop la scène indé en fait, je suis ouais. D'accord. Donc on va quand même passer à la suite si tu veux bien avec la Gamescom qui va se dérouler là dans quelques jours, hein. C'est à partir de lundi. Et en fait, il va y avoir quand même pas mal de petites choses. Alors qu'avant, il y a quelques années, la Gamescom c'était un petit peu le truc, le salon du. Secondaire. Hein? Et le salon secondaire. C'était même pas le salon secondaire C'était en fait. le faux e-cube. Voilà. Bah en fait, tout se passait en arrière-boutique. C'était un espèce de C'est ça. e-cube bis. T'avais toutes les actualités de l'e-cube, mais tout se faisait en arrière-boutique, donc c'était vraiment le coin de rendez-vous de tous les éditeurs ainsi que de tous les journalistes afin de pouvoir faire leur popote. Hein. Ils ont pas mal de choses à négocier entre eux, l'échec entre autres. Mais le truc, c'est que pour le public, c'était un e-cube plus près de chez nous. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait jamais de première, il n'y avait jamais de démo inédite, il n'y avait jamais de jeu inédit. Enfin bon. Et là, apparemment, Ubisoft veut présenter un global premier, comme ils appellent ça, donc une avant-première. THQ Nordic va nous annoncer quelques nouveaux titres aussi. Le premier trailer de Life is Strange 2, pour ceux qui l'attendent. Et salut Golmaner, comment va? Ensuite, Koch Media Publishing va faire de nouvelles annonces. Bandai Namco va annoncer un nouveau jeu par un développeur européen, enfin bon, et il me semble aussi qu'il y a Sony qui voudrait faire une conférence, mais alors ça je suis plus sûr si c'était pas l'année dernière la conférence Sony, là j'ai pas été revérifié plus loin que ça, mais en tout cas ça devient de plus en plus mainstream. Ouais, que voilà, c'est de toute façon, c'est on va bien voir, mais ça me hype pas vraiment quoi. Quand je vois ce qu'ils essayent d'annoncer, moi je vais avoir une petite curiosité sur le jeu que va révéler Bandai Namco, mais pas plus que ça. C'est vrai que ça fait pas trop rêver. Enfin bon, toutes les nouveautés sont à YouTube et ça, y a pas de. On peut pas. Ils Le peuvent pas problème, c'est que lutter, quoi. Namco Bandai, ils ont pas mal de licences sympas, hein, mais le problème, c'est qu'ils sortent tellement jeux de chiasse. À l'appel. À l'appel. Non, bah écoute, on va bien. Tranquillement. Donc, on va passer à la suite, la Gamescom. Je garde ça d'un œil, tu vois, cette semaine, mais. Je vais pas forcément suivre ça, mais. Va passer dans mes prompteurs, mais ouais, j'ai pas de hype. Je passerai pas, je ferai pas un live toute la soirée à commenter en direct la Gamescom, quoi, les conférences de la Gamescom. Non, moi non plus. Moi non plus, d'autant que je pense qu'il va pas se passer grand-chose. Et salut Croc, comment vas-tu? Alors, on va passer à une news peut-être un peu plus intéressante. C'est Intel qui sort, mais enfin, je mets des guillemets, des parenthèses partout, parce qu'en fait, ils en ont déjà fait, à faire des cartes graphiques, et cette fois-ci dédiées. Oui, voilà, c'est ça. C'est jusqu'ici, effectivement, si tu regardes au niveau des chiffres, ça reste Intel qui a le plus de chipsets graphiques sur le marché actuellement. Mais c'est parce qu'ils sont intégrés dans tous leurs processeurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc là, pour le coup, ça va être une carte graphique dédiée. Donc un concurrent à tout ce qui est Nvidia et AMD. D'ailleurs, ce qui me fait bizarre, vu que Intel a signé il y a encore pas très longtemps un contrat avec AMD pour équiper tous leurs Avec Radeon, processeurs. enfin, oui. AMD ou Radeon, c'est la même boîte. Mais c'est la même boîte. Enfin bon, toujours est-il qu'effectivement, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y a eu un échange de technologies. Mais le but avoué, c'est vraiment de mettre des bâtons dans les roues à Nvidia qui actuellement eh ben, est au-dessus et ils n'arrivent pas à le dépasser, quoi. C'est ça. Et AMD qui, de son côté, ben en fait, s'en sort beaucoup mieux sur le marché des processeurs que sur le marché des cartes graphiques. Leur dernière génération de cartes graphiques se marche pas très bien. De quoi, de Nvidia? Ouais, non, de AMD.
la dernière génération de, je sais pas comment ils appellent ça, les Vega, je crois. C'est pas fou. Bon, en même temps, avec la concurrence Nvidia en face, et puis surtout la crypto, ah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, Nvidia, Nvidia là, actuellement, effectivement, il roule sur la concurrence. Voilà, mais il faut pas oublier non plus que Intel. Alors, je sais pas à quel point c'est organisé tout ça, parce que là, je suis en train de remater les infos. C'est au mois de mai, là, que je vais vous raconter une actu du mois de mai, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Linus Tech, Tech Tips, qui est une énorme chaîne américaine. Voilà, 6,6 millions d'abonnés pour J'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Leurs trucs sont toujours très justes. C'est carré et bien présenté. Alors, effectivement, il y a énormément de placements de produits, mais ils sont francs sur les placements de produits qu'ils font. Ils sont toujours annoncés, ils sont toujours. Ils sont pas sournois. C'est ça. Mais quoi qu'il en soit, donc, ils ont. Il y a quelques mois, donc au mois de mai, ils ont présenté en fait un prototype de carte graphique Intel. Alors je ne sais pas à quel point c'est organisé par Intel, parce que d'après eux, ça, ils l'auraient acheté justement sur... Attendez, je vous mets l'image. Donc tu vois, il y a quand même la carte graphique entière, hein. c'est une vraie carte graphique Intel. Et d'après eux, ils l'auraient récupéré sur eBay. Bon, alors à quel point ça pipote, à quel point... Ils l'ont découvert sous leur tapis d'entrée, genre en mode « Coucou, un colis d'Intel, pas vu, pas pris !» Pour justement annoncer les prochaines cartes graphiques, on ne sait pas, parce qu'en plus... Ils ont annoncé que de toute façon, on n'en verrait pas la couleur avant 2020. Donc, il y a le temps de voir venir. On sait que ça arrive, on sait que ça va arriver, mais 2020, il y a le temps de... Voilà. C'est presque une génération complète. 2020, la 2080 sera une carte plutôt jeune. Voilà. Ouais. Elle arrive là fin d'année, ça va être la carte qui va tout tuer. Et voilà, en 2020, la 2080, ça sera voilà. Plus, en tout cas, plus une carte toute neuve. Je pense qu'on aura déjà les premières news concernant la 3080 à ce moment-là. Ah bon, moi, je trouve ça quand même assez étrange, tu vois, que les deux arrivent en parallèle. Quasiment à 3 mois près, quoi. À 3 mois près, t'as l'annonce des cartes graphiques. Alors, oui, enfin, la 2080 va arriver beaucoup plus tôt, comme la 2080 devrait arriver avant la fin de l'année. Oui, mais en plus, on aura une annonce là bientôt pour la 2080. C'est quand? C'était pas censé être le 20 ou le 21, genre aujourd'hui? Oui, effectivement, ouais, c'est dans les jours qui viennent, on aura vraiment une vraie explication. Pour le moment, on a que des fuites, mais. Mais d'ici 2 ou 3 jours, on sera fixé par rapport à la vraie puissance de la carte. C'est ça, d'autant qu'ils préparent vraiment un gros truc, quoi, un gros gap par rapport au 1080 qui commence à être vieillissante. Hein, parce que d'habitude, le rythme, c'était quoi? C'était un par an, non? Mais déjà, le gap de la série 10 par rapport à la série 9 était assez énorme. C'était un sacré bond en avant parce qu'ils passaient d'une gravure en 22 nanomètres à une gravure en 16 nanomètres, ce qui permettait en fait, ce qui faisait que les cartes consommaient beaucoup moins d'électricité et étaient plus simples à fabriquer en plus. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait une grosse chute à ce moment-là précis sur le prix des cartes graphiques, chose qui a été rattrapée par la suite lorsque les crypto-monnaies ont explosé. Mais ça, c'est autre chose. Oui. Et donc, ouais, cartes graphiques Intel, ça ferait pas de mal d'avoir un troisième acteur directement sur cette. Absolument. Dernière. Moi, je trouve, d'autant qu'en plus Intel, sur les disques durs, voilà, ils sont les disques durs. Qu'est-ce que je raconte? Sur les propos. M'entends? Ouais, j'ai mon PC qui frise un peu, c'est pour ça. Ouais, donc ils sont connus, donc ils savent faire des processeurs. Mine de rien, une carte graphique, c'est des processeurs. Hein. Donc on est dans leur domaine de connaissances. Tout à fait. Donc à voir. On se laisse le temps. Mais une actu qui n'a. On a le temps. 2020, on a largement le temps de voir venir. C'est ça. Et donc, une actu qui n'a rien à voir, mais je ne sais pas si quelqu'un dans le coin a joué à Vampire. Vampire, qui est un jeu, somme toute, assez médiocre. On va se l'avouer. Par Dontnod. Dontnod, Life is Strange.
Mais voilà, il n'a pas eu l'accueil escompté, ils l'ont peut-être pas autant bossé qu'il l'aurait espéré, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était, il l'avait fait éditer par Focus Home Interactive, ce qui pour moi veut tout dire. Voilà, c'est une. C'est un peu les Yesman Focus. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et donc, apparemment, ils se sont vendus à plus de 450 000 copies. Super. Et il va y avoir une adaptation en série télé. Une série télé live par la Fox. Avec le recul, je me suis renseigné un peu et en fait, Vampire, oui, j'y ai été exposé et surtout, l'histoire est pas mal. L'histoire est pas mal du tout. Donc, le fait que ce soit Par contre, on transformé en t'entend série super télé. bas. Excuse-moi, ça va mieux là? Ah oui, beaucoup mieux. Ok. Oui, alors ce que je disais, c'est que en tant que le scénario était cool et du coup, en tant que série télé, ben, je pense que ça va marcher. Donc pourquoi pas? Et si ça peut être, si ça peut changer la malédiction des adaptations de jeux vidéo en film comme en série, eh ben, je prends. Pourquoi pas, mais c'est vrai que les adaptations. Ouais, la dernière en date, c'était quoi? C'était Castlevania? J'avais trouvé ça assez. Pas terrible. Castlevania était bof. Ben, en fait, déjà, on n'était pas vraiment dans l'ambiance de Castlevania, parce que dans Castlevania, t'es tout seul face à des hordes de monstres, t'es tout seul dans un château. Et là, c'est un peu ce qui se passe avant. Il y a des relations entre les villageois et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude dans Castlevania. Quand dans Castlevania, t'es tout seul face à l'adversité. Et là, en l'occurrence, on a un héros qui passe son temps à discuter. C'est ça. Mais c'est vrai que les adaptations en série télé, j'en connais pas trop, hein. Mis à part justement ce Castlevania, et j'avais pas trouvé ça. Ouais. Il y avait eu ce projet un peu bizarre. Comment ça s'appelait? Délivrance ou quelque chose? Non, c'était pas ça. Ou Défiance. C'était un projet où en fait t'avais un MMO et une série télé en même temps. Et ça avait fait plusieurs saisons, hein, ça avait eu un peu de succès au moment. Je me souviens plus du nom exact. Moi, si sur le chat vous avez vous retrouvez le nom, dites-le nous parce que moi je vois pas du tout, je sèche carrément quoi. Je sèche carrément. C'est défiance, défiance. Défiance. Defiance. Mais c'était bien ça au moins. La série télé, j'avais plutôt bien aimé. Alors j'ai regardé que les deux premières saisons, a priori il y en a trois, mais Ouais. par contre j'ai pas joué au jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, voilà, a tenu. Le jeu, sait que c'était une sorte de MMO, le jeu vidéo a plutôt bien tenu. Et c'était donc un projet un peu particulier de. Voilà, c'était C'était pas si t'avais vieux que le ça en MMO et plus. la série qui étaient en parallèle. C'est pas si vieux que ça en plus, machin. C'est 2013 là. Ah non, je t'ai dit, c'était il y a pas longtemps. C'était 2013. Ouais, non, je connais pas du tout en fait. C'est passé totalement sous mes radars. D'accord. Enfin bon, en même temps, Ça a ouais. été fait par Syfy. Donc, ouais, la série télé? Ah oui, mais là, c'est normal que ce soit passé sous mes radars. Parce que, à part Sharknado, ils ont fait quoi, Syfy? Qu'on m'explique. Oh non, ils font plein de trucs, Syfy, ils font plein de trucs cool. Là, ils ont plein de petites séries. J'aime beaucoup leur série de l'été de science-fiction qu'ils font. Ils ont souvent des trucs cool. Par exemple, là, ils avaient, comment ça s'appelle, Killjoys. C'est eux, Killjoys, hein. Killjoys, que j'ai trouvé que la série était. La série, ça fait 3-4 ans que je la suis et je trouve ça génial. Ça fait partie des séries de l'été que j'aime beaucoup. Et D'accord. régulièrement, ils te sortent des séries qui sont pas mal. Sci-fi, voilà, ils ont de bonnes idées. Ok. Je sais pas, moi, enfin, à une époque, j'avais juste eu Sci-Fi. Ouais, Et très j'ai la honnêtement, confirmation. c'était. Ouais, enfin bon, c'était. Killjoy, c'est bien sci-fi et c'est cool. Je sais pas, moi en tout cas à l'époque, c'était entre médiocre et pas terrible du tout, quoi, donc. Pour ça que je me suis plus jamais intéressé. Bref. On avait autre chose, et cette fois-ci une vraie actu sur Pokémon Go, t'imagines. Plus d'un an après, attends, c'était combien de temps? 2 ans? Ça fait 2 ans que c'est sorti ce machin. Ouais, c'est ça, 2 ans, ouais. Ils font enfin du PVP? Ah, le PVP qui arrive. Comme quoi, les gens qui s'y sont accrochés, qui ont continué dessus, ils sont. Voilà, une petite récompense.
Ouais, mais 2 ans après, quoi, Ouais. c'est, je sais pas, Bon, il y a eu quand c'est. même des mises à jour assez régulières au cours de ces 2 dernières années. On a eu droit au début de l'été dernier, au début de l'été là, on a eu le droit à la seconde génération qui est arrivée en mai, je crois, mars-mai, entre mars Ouais. et mai, ouais, je dirais avril donc. Mais ça reste quand même assez hallucinant parce que Pokémon de base, c'est quand même la licence à faire du PVP. C'est dans le jeu, tu récupères des Pokémon afin d'aller dans des tournois pour aller taper d'autres personnes. Et le Ouais, truc, c'est c'est le que. jeu du PVP, effectivement. C'est du coup, en fait, t'avais des ce qu'ils appelaient des arènes. Donc, en fait, tu jouais, mais c'était du PVE. C'est ça, c'était un environnement, tu plaçais ton Pokémon à l'intérieur, tu mettais ton meilleur Pokémon, etc. et tu défendais. Mais le gros du problème, ça vient que. Je vais faire un parallèle hasardeux. Mais imaginons Gran Turismo, demain ils te sortent un nouveau Gran Turismo et ils te disent, bon bah va falloir attendre 2 ans avant d'avoir le mode course. Hein. Pour l'instant, vous pouvez acheter des voitures, les customiser, mais vous pouvez pas jouer en course. Ouais, c'est pas C'est loin un d'être peu ça. ça. Je trouve que c'est un peu ça. Donc voilà, au début on disait bon ça va arriver dans les 3 premiers mois. C'est pour ça que je l'avais acheté, j'avais acheté des trucs dedans en plus, voilà ce que je voulais dire. Et Pokémon Go, t'as mis de l'argent quand même. Ah, d'accord. ouais, j'avais mis 20 balles dedans, j'avais osé à une époque où j'avais encore de l'argent, tu vois. Mais Un mec non. comme ça. Ouais. Et au bout de 3 mois, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'arène. J'ai fait bon, ok, on va y aller comme un vieux porc, on va jouer sur PC avec un faux GPS. Franchement, ils Ouais. auraient sorti cette mise à jour du Pokémon Go en PVP avant l'été. Ça aurait été quand même vachement plus futé, non? Ah Parce que bah. là, c'est bien gentil de faire ça en fin d'année ou des trucs comme ça. Mais là, en l'occurrence, on aurait eu le droit au PVP avant l'été. Je pense qu'il y aurait eu un petit retour de Pokémon Go. Ça aurait pu être sympa, non? Ouais, mais je sais pas ce qui les a empêchés de faire ça, mais bon, en tout cas, c'est. Je sais pas ce qui leur prend. Enfin, après, j'ai envie de dire, c'est Niantic, ils ont l'air de faire des mauvais choix tactiques, coup sur coup sur coup. Je sais pas si tu te souviens du Pokémon Festival qu'ils avaient fait, Ah, mais oui. ça aussi, c'était une catastrophe. Avec les serveurs qui suivaient plus, tout ça, vraiment, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ils avaient été obligés de rembourser tout le monde. Ils ont perdu énormément d'argent sur ce truc. Et de prestige. Et de prestige, oui, absolument. Et puis, et par la suite, tous les events spéciaux qu'ils ont fait, ça leur est revenu dans la gueule par la suite. Ils arrivent très mal à gérer leur communication. C'est clair, les mecs. Mais en même temps, je pense qu'ils s'en foutent aussi un peu quand tu vois le nombre de joueurs qu'ils ont régulièrement. Je connais encore des gens qui y jouent, donc Oui, moi aussi. au bout d'un moment, voilà, il faut révéler ce qui est vrai, c'est qu'ils n'ont rien à cirer. Bah oui, mais bon, si ça avait été géré correctement, ça aurait pu être une. Bah déjà, le jeu a été un événement. Le jeu a vraiment été à changer la façon. Pendant un été, du moins, tout le monde a tout. Ça a changé un peu la face des promeneurs, parce que tout le monde avait son téléphone et tout le monde regardait son téléphone capturer des Pokémon, et ça pendant presque 2 mois. Et du coup, ils ont pas réussi à maintenir cette hype. Ils ont toujours tout foutu par terre. Ça aurait pu être vraiment Le truc qui beaucoup tue plus tout. important. Ouais, ça aurait pu être beaucoup plus important. Ça aurait été beaucoup plus. Enfin voilà, beaucoup plus que ça ne l'est actuellement. C'est ça. Je trouve ça, c'est dommage. C'est Ah. dommage parce que ça aurait pu changer la donne et définir de nouveau. Voilà, de nouveau. Ah, ça y est, je trouve plus mes mots, ça me dérange. Je vois ça. Bon, si tu veux, on peut passer à autre chose. Enfin bon, Ouais. définir un nouveau genre, si tu veux dire. Non, 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 mais de nouveaux niveaux de qualité, ça y est, je trouve plus le mot juste. C'est pas Mais c'est grave. pas grave. C'est pas grave. De nouveaux standards, tout simplement. Voilà. Là, c'est bon. Là, on y est. Donc, dans un nouveau standard, tu m'avais suggéré un boyfriend dungeon. Date your Ouais. weapon.
Tu m'avais présenté ça Ouais. comme étant un truc assez novateur qui a pas mal de hype, et ça, la hype, on la voit, vu que c'est un projet Kickstarter qui a été kickstarté quasiment du jour au lendemain. Novateur, je sais pas, mais ça reste un dating sim un peu plus évolué qu'un dating sim classique, quoi. On va dire Ouais. qu'on est au niveau du what the fuck d'un Atoful Boyfriend, mais en plus il y a l'air d'y avoir un vrai gameplay, ce qui est pas mal. D'ailleurs, le gameplay, on se le met? Allez, faisons ça. Alors, c'est ici. Ok, donc là, voilà, là on a tout vu. Hein, d'ailleurs, ça me rappelle certains jeux qui avaient été développés il y a quelques années. Je me rappelle plus comment ils s'appellent. Bah, on pense à Atoful Boyfriend aussi. Ouais, mais là je pensais surtout pas au niveau du What the Fuck, parce que même le What the Fuck, au final, je le trouve pas si What the Fuck que ça. Parce que moi, il me rappelle un autre jeu. Je ne crois pas que tu l'aies fait. C'est Xenoblade Chronicles 2. Non, je l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait, ben pourtant le principe est identique, quoi. Identique avec dans Xenoblade Chronicles 2, l'aspect JRPG en plus, c'est un gros JRPG, vu que ça reste un des plus gros JRPG qui soit sorti ces dernières années, où justement tu récupères des armes avec une âme, quoi, entre guillemets. Donc ils appellent ça des Blades, pareil comme là, et ce sont des. Bon, comment ça s'appelle dans Xenoblade Chronicles, c'est que des filles. Là, D'accord. apparemment, ils veulent faire du 100% inclusif, donc voilà, hommes, femmes, enfants, robots, poissons. Il y aura justement un pigeon. Ouais, et puis t'as Ils ont trois fait chats ça pour aussi. le fun parce qu'a priori ça a été fait par Rowan Blair, donc le mec qui a fait Atoful Boyfriend. Et donc il y aura dans les stretch goals, il y a le pigeon de Atoful, enfin un pigeon de Atoful Boyfriend qui a été validé. Mais ouais, moi ça me rappelle énormément le principe de Xenoblade Chronicles 2, tu vois, c'est où justement tu développes tes affinités avec ta Blade, quoi. En parlant de stretch goal, du coup, le projet a été lancé maintenant il y a 5 jours, hein, et il a déjà été complètement validé, hein, puisqu'ils ont déjà réuni 2 fois ce qu'ils demandaient Oui, sans pour souci. faire le jeu. Sans souci, pas très compliqué pour eux, tu me diras. En même temps, ils Non. demandaient pas énormément, hein, ils étaient pas très gourmands, ils demandaient Ils du n'étaient pas 48 000, enfin bon, gourmands, c'était pas énorme. voilà. Et puis bon, voilà, ça développe le gameplay, hein, ça me rappelle énormément de jeux, quoi, À vue c'est de très. nez, je pense qu'ils vont taper 150 000. Là, comme ça? Ouais, Oh, ouais, je sais ouais, pas, je trouve que c'est assez bien barré pour que ça aille plus loin, tu vois. ouais. Ouais, peut-être. Après, tant mieux pour eux, hein. J'ai envie de dire, leur jeu a l'air suffisamment correct, leur prototype a l'air de tenir la route. Déjà, ben, on peut être, on sait qu'il y a un jeu qui est prêt derrière, quoi. Ça, c'est une bonne chose. On n'est pas complètement dans le flou comme avec certains Kickstarter. On se C'est ça. souviendra de Hand Simulator, hein, où les développeurs ont littéralement dépensé tout l'argent dans les putes et la coke. Oui, enfin bon, en tout cas, c'est ce qu'avait dit un des devs qui se plaignait. Putain, ils ont tout dépensé en pute et coke, quoi, j'en ai marre. Ah bah il a développé par la suite les billets de retrait et tout ça. Il a tout publié et effectivement, ça a été distribué. Enfin, en tout cas, ils ont utilisé leur carte de société dans des strip clubs.
Alors que le projet était kickstarté à quelque chose comme 4000 euros, c'était même pas énorme. Oui, voilà, c'était pas grand-chose, hein, mais les mecs, ils ont utilisé la carte de la petite société qu'ils avaient fondée pour... Pour deux petites soirées. Voilà. Là, avec 4000 euros, tu te fais deux petites soirées, voilà, c'est... Oh, de bonnes soirées, quand même. Ouais, la bouteille de champ à 500 balles, la pute à 500 balles, la chambre à 500 balles... Hey, t'arrives déjà assez rapidement au bout, hein? Puis si en plus tu Enfin fais bon. ça à Genève, non, ça te fait une heure en fait, Ah. 4000 euros. Pour revenir sur Boyfriend Dungeon, bah pourquoi pas? Moi, effectivement, le jeu m'a l'air plutôt cool. Ok, ouais, moi je dis pourquoi pas aussi, tant qu'il reste dans une gamme de prix acceptable. Parce que Ben bon. là, oui. Le jeu sera sur Steam. Je pense que ce sera un jeu quoi à 25. Il va sortir peut-être à 30 euros et puis on pourra le trouver à 10 plus tard. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bref, si on passe à un truc un peu plus... Non, en fait, c'est pas sérieux. C'est la machine à écrire Resident Evil 2 qui va vous coûter un bras. Oui, effectivement. Et je crois qu'il n'y a même pas le jeu avec. Donc 98 000 yens, ça fait combien? Bah, pas loin de Ouais, pas loin de 900 100 dollars. balles, hein. 900 dollars. Pas loin, oui. 900 Putain, dollars. 900 balles. 900 dollars pour une machine à écrire, 4 papiers, 4 rubans, une statuette, une boîte, un poster, pas de jeu. Ça vous dit? Il y a la soundtrack quand même. Hein. Il y a la soundtrack et des DLC. Et il y a une copie du jeu. Ah si, il y a une copie du jeu quand même. Quand même. Putain, mais la machine à écrire, quoi. J'aurais jamais imaginé qu'il fasse ça, quoi. Enfin bon, en même temps, c'est Resident Evil. La dernière fois, c'était un... C'est plutôt joli, hein. Rien à dire, mais franchement, je suis certain qu'il y a des gens qui seront capables de te faire des machines à écrire fonctionnelles pour beaucoup moins cher et qui seront d'autant plus stylées. Enfin, des machines à écrire USB, je parle, fonctionnelles et d'autant plus stylées, surtout pour ce prix-là, quoi. Bon, mais attends, il y a marqué Umbrella dessus, sur celle-là. Oui, mais non, je t'assure, hein, une petite décalco, je suis sûr que tu vas voir Vadouamka, tu lui files 500 balles, il sera capable de te faire un truc d'une qualité supérieure. Ok. C'est pas Elle, faux. parce que Vadouamka, c'est une nana. Que je ne connais pas d'ailleurs. Qui fait quoi? Qui est une des meilleures. Elle fait du mode hardware, voilà, elle reskine des consoles. Et elle est particulièrement douée. D'accord. C'est Bon, une, elle est française et elle est particulièrement douée. D'accord, donc déjà, moi, Je je vais suis faire assez Vadouamka. fan de son travail. Ok. Ok. Donc, on va passer à la suite, hein, parce que bon, après les news sur la pute et la coke, les news sur la Premium Edition de Resident Evil 2, là, j'ai déjà plus d'argent, hein, je préviens. On va peut-être essayer de passer à un truc qui va rien nous coûter, genre on ne sort pas de jeu, voilà, on vous sort pas de jeu, donc du coup soyez contents. Vous ne dépenserez plus d'argent, donc apparemment le système d'approbation de jeux vidéo en Chine est en panne. Il ne valide plus les jeux Ouais. pour les Chinois. Ça fait plusieurs mois effectivement que c'est le cas, ouais. Donc en ce moment les Chinois ne jouent plus aux jeux occidentaux. Oh. Pauvre de nous, pauvre petit marché. Puis il y a Voilà. eu tous les dramas Si le autour de jeu Monsanto. avait pas été mis, enfin greenlighté au cours des avant il y a 4 mois, et eh ben il sortira pas. Donc en fait il y en a toujours qui vont sortir, hein. C'est seulement que il faut qu'il ait été greenlighté il y a 4 mois. Ok. Mais bon, dans quelques mois, ils vont se retrouver quand même un petit peu en manque, hein. Bah ouais, effectivement. Ou alors ils vont les piquer, mais moi, ouais. Actuellement, en fait, c'est une grosse restructuration de tout leur pôle média, c'est-à-dire radio, télévision et donc du coup Internet. Et actuellement, bah, vu qu'il n'y a pas de chef, vu que il n'y a pas de, y, et ben, il y a rien qui se fait.
C'est quand même assez moche de... d'être comme ça, quoi. Bah, Enfin... surtout pendant 4 mois, quoi. Une restructuration qui dure aussi longtemps que ça, c'est assez dingue. Bon, en même temps, c'est une structure assez monolithique, hein. N'oublions pas qu'ils sont officiellement communistes, mais officieusement capitalistes. Donc, la structure est communiste, l'idée est capitaliste. C'est un peu bizarre sur leur modèle. Donc, ouais, c'est pas étonnant que ce soit lent, hein. C'est pire que l'administration française, quoi. Donc, ils parlent de 5659 jeux validés, des jeux mobiles. Putain, je savais même pas qu'il y en avait autant en fait. Cependant, tu vois, je suis en train de me poser la question, est-ce que du coup, est-ce qu'on va pas se retrouver à avoir une situation dans laquelle il y a des boîtes qui vont racheter des jeux parce que le jeu a été validé en Chine et mettre leur jeu à la place, tu vois ce que je veux dire? Histoire de racheter le jeu pour prendre la place sur le marché chinois. Que ce soit une boîte chinoise qui le sorte à la place de la boîte. Je parle tout simplement d'un jeu qui a été greenlighté pour une sortie pour une sortie en Chine, qu'une boîte décide de racheter le jeu parce qu'il a été greenlighté, afin de pouvoir mettre le sien dans le remplacement. Ah, le remplacer? Tu crois que c'est possible ça? Faut voir avec leur Oh bah système aussi. écoute, effectivement. Je sais pas, mais ouais, ça pourrait faire un second marché. Voilà, c'est ça. Acheter nos licences. Nous, on a une place. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu veux pas. Tiens, tu veux une place? Revendre de place sous le manteau, tu vois. Ah, c'est quand même moche, ça fait comme les places de concert. Je pense que ce serait assez moche en fait, mais bon. Ouais, mais de base, c'est moche. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Enfin, en parlant de. Pas, justement, pas de communiste, mais en parlant de vrais bons gros capitalistes, il y a Steam qui a fait quelque chose là. Ouais, Steam TV. Steam TV, le compétiteur de Twitch TV. Alors, Voilà. Ça fait déjà plusieurs années que y a du streaming sur Steam, mais ça n'avait jamais été officialisé comme ça. Et je trouve enfin, que c'est une bonne chose. là, ça sort de la plateforme en fait. C'est surtout ça, parce Voilà. qu'avant, c'était des solutions internes à la plateforme. On pouvait être spectateur des parties de nos amis ou des parties qui étaient en public. Et là, Voilà. ce sera tout en public, à la manière d'un Twitch ou d'un YouTube. Voilà. Mais le Mais problème. l'avantage, c'est que leur solution de streaming peut être complètement intégrée dans l'overlay, c'est-à-dire que vraiment tout sera fait à partir du client Steam. C'est ça, donc moins de choses qui vont être Voilà. téléchargées, mais le problème c'est est-ce qu'il y a une place pour un nouvel acteur, quoi? Enfin, on voit que tout Non, le monde se casse les non. dents. Bah, si YouTube Gaming n'arrive pas à percer, je vois pas pourquoi Steam arriverait à percer derrière. YouTube est super bien placé sur le marché du streaming et ils arrivent pas, enfin sur le marché de la vidéo et ils arrivent pas à percer sur le marché du streaming. Bon, il y a aussi le fait qu'ils payent pas. Hein. Il y a aussi le fait qu'ils payent très peu et Ouais. que du coup, ben, Twitch reste plus intéressant. Et c'est pas pour rien si aussi aujourd'hui, de plus en plus de YouTubeurs se dirigent vers Twitch. C'est parce que YouTube ne paye quasiment rien aujourd'hui. Ils payent de moins en moins. Ouais, mais... Alors ils essayent de trouver des nouvelles solutions. Par exemple, là maintenant, tu peux t'abonner à des chaînes pour 5 euros par mois. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu une copie de ce que Twitch propose depuis maintenant plusieurs années. C'est ça, c'est des subs, les fameux Voilà. subs. Voilà. Et bah ouais, bah Steam, je leur souhaite bien du courage. Mais sachant que Facebook a lancé sa plateforme il y a maintenant un gros mois, sa plateforme Facebook Gaming, où ils veulent faire exactement la même chose, avec un peu de succès, là, il faut le reconnaître. Mais c'est aussi parce que les flux vidéo, eh ben, ils passent directement sur les pages Facebook des gens. Et du coup, bah, vu que les gens sont sur Facebook, ils sont directement exposés aux flux. Voilà. Et puis Aux jeux on a vidéo. énormément de gens aussi sur Facebook, donc C'est ça ça. aussi ça joue.
C'est surtout ça qui joue, je pense. Parce que bon, ils ont déjà une plateforme de plusieurs milliards de gens, on parle pas de millions. C'est ça. C'est. Ouais. C'est juste gigantesque. Alors après, je sais pas si ça marche ou pas, je sais pas d'où. Comment tu sais ça d'ailleurs? Il y a eu des chiffres qui ont popé il y a pas longtemps? Je regarde par rapport au nombre de streamers et surtout le nombre de viewers que les gros streamers ont, ça monte à des chiffres qui concurrencent assez facilement Facebook. Assez facilement les grosses chaînes de Twitch. Ok, pourquoi pas. Et est-ce qu'ils payent? Non. Ah. Pour le moment, même chose, c'est des... C'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes et il n'y a pas de système d'abonnement valable pour le moment sur Facebook. Donc les gros streamers ne risquent pas d'aller là-bas, quoi. Pas pour le moment. Mais bon, ça peut faire de bons succès, hein. Pas oublier, hein. Il y a un truc, hein. C'est, si tu veux avoir des gens, si tu veux attirer les gros, ben il faut de l'argent. Et ça, que ce soit YouTube ou Facebook, j'ai pas l'impression qu'ils l'aient compris. L'avantage, c'est que Steam potentiellement pourrait faire ça, parce qu'en plus avec ils ont l'existence du porte-monnaie Steam et tout ça, ils pourraient faire énormément de choses beaucoup plus facilement. Y a un potentiel. Je pense que Steam a un potentiel, d'autant qu'en plus c'est la plus grosse plateforme de jeux vidéo du PC. Ouais. Donc ils ont des armes. Mais le problème c'est que est-ce qu'ils arriveront à s'en tirer? Le problème c'est que, enfin, ce que je reproche à Steam en général, c'est qu'en fait ils ont de bonnes idées toujours, hein. Mais ils vont jamais au fond du projet, que ce soit les Steam Machines, donc avoir des ordinateurs montés un peu comme des consoles et tout ça, et ben ils n'ont pas poussé le projet jusqu'au bout, ils ont laissé des constructeurs tiers se casser les dents dessus, et ils n'ont pas poussé le truc plus que ça. Je trouve que c'est dommage. Même chose sur le Steam Controller, il y avait une super bonne idée, mais au niveau, ils n'ont pas poussé le projet plus que ça. Le Steam Link, idem. Ils ont même abandonné le Link, hein. Ouais, bah, à tel point qu'il était à vendre pour 5€, alors qu'avant c'était une machine qui coûtait 50 balles. Aujourd'hui, pendant les dernières soldes, tu pouvais l'acheter pour 5. 5€ port compris parce qu'il était à 2€ officiellement. Non, oui, voilà, c'est ça. Donc non, il coûtait plus rien, il était... Là, actuellement, ils vident leur stock. Bon, il n'y en a plus de toute façon, hein. Si vous en cherchez, c'est fini. Ouais. C'est complètement fini. Le problème, c'est que en fin de compte, une Chromecast avait un meilleur temps de latence. Moi, j'avais les deux, hein, j'ai pu tester. Mmh. Et effectivement, le Steam Link, niveau technologie, eh ben, le seul vrai intérêt, c'est que tu pouvais brancher vraiment une manette filaire dessus et pouvoir jouer avec une manette filaire sur ton PC qui était dans une autre pièce. Et tu pouvais brancher un petit clavier sans fil pour avoir l'Internet sur ta télé sans avoir un ordinateur dans ton salon. Il y avait quand même de trois bonnes idées. Mais en fin de compte, le flux vidéo avait largement tendance à pixeliser. On se tapait des artefacts. Si tu n'avais pas un réseau à 1 gigabit par seconde chez toi, sachant que c'est rarement le cas. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont des réseaux Wi-Fi, c'est du 200 mégabits, ils n'ont pas beaucoup mieux. Ben là, si tu n'avais pas un réseau 1 gigabit chez toi, filaire, essayez, tu avais trop de latence. Tu avais trop de latence et tu tapais des artefacts. Et pourtant, ils l'ont ressorti sur un téléphone portable, sur Android, t'as une version du client. Ils ont essayé. Mais l'avantage, c'est que sur téléphone portable, les flux vidéo sont bien inférieurs. Mmh. Et du coup, ils peuvent se permettre de streamer en 720 ou en 480p et avoir une image du coup bien, bien correcte. Okay. C'est le 1080p 60fps qui tenait pas. Mmh. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Steam TV, si vous êtes intéressé, peut-être un de ces quatre. Et salut Dugbomb, comment vas-tu? Donc, bah oui, Steam TV, voilà, ça marchera s'ils mettent de l'argent. S'ils mettent de l'argent sur la table, un peu comme Dailymotion à une époque a réussi à s'en sortir. Hein. Si Dailymotion a tenu si longtemps en tant qu'acteur, en tant que gros acteur du streaming en France et en Europe, c'est parce qu'ils payaient plus que les autres. Donc forcément, au jour où ils ont arrêté de payer, eh ben, tout le monde est parti.
Aujourd'hui, Dailymotion, ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus en tant que plateforme de streaming. Faut pas oublier qu'à l'époque, c'était vraiment tous les gros Millennium et tout ça, ils passaient tous par Dailymotion. Millennium, Eclipsia... Ben voilà, toutes les grosses plateformes francophones, en tout cas, passaient par Dailymotion, parce que Dailymotion payait vraiment. Ouais. Et donc, ouais, je sais pas. Je sais pas, il y a vraiment trop de monde, en fait, sur le marché pour qu'ils s'y mettent, je trouve. Enfin, voilà. Parce qu'il y a Mixer aussi, voilà. Il y a Mixer TV, il y a oui, l'ancien y Xbox qui a changé de nom. Il y en a nom. Des tonnes, mais ils ont quand même l'avantage d'être un acteur majeur du milieu. Donc forcément, quoi qu'il arrive, ils auront une audience. Et puis de par leur programme qui est sur tous les ordinateurs, ils peuvent vraiment promouvoir des streams et tout ça. Donc en ça... je pense que c'est voilà, ils ont une légitimité. Après, à savoir, est-ce qu'ils vont la faire valoir. Je sais pas, on verra. Le truc, c'est que je sais pas. Moi, quand je vois par exemple Hitbox, tu te souviens de Hitbox qui a changé de nom entre-temps. Oui. Je me rappelle plus du nom qu'ils ont mis. J'ai été sur ah leur. Ah ouais, ça a changé de nom Hitbox. Je savais même pas. Ça a changé de nom. J'ai été sur leur site il n'y a pas longtemps, leur plus gros streamer, tu ne devineras jamais combien il fait de vues. Ça s'appelle Smashcast maintenant. Ouais. Tu ne devineras jamais combien il faisait de vues, leur plus gros streamer. Sérieusement, ça me faisait pitié. Et voilà, effectivement. Il faisait 15 vues en direct, le mec. Ouais, bah ça m'étonne pas. Il y avait un streamer français qui maintenant est sur Twitch, mais qui à l'époque essayait fortement sur Hitbox, c'est Maxime Robinet. Le mec qui avait pris... Il avait pris la tranche du dimanche en remplacement de du 36-15 Usul ou de Merci Dorian, enfin voilà. Oh, tu m'entends ? Ouais, je suis là. Ouais. Toujours est-il que Maxime Robinet, ouais, ce mec avait, il était sur JV. Je vais vous le mettre. Hein. Regardez, ça c'est Hitbox, hein, les plus grosses chaînes. Voilà, il essayait de streamer sur Hitbox, il a jamais percé. Du jour où il est arrivé sur Twitch, et ben tout de suite il a pu commencer à vivre de son truc. Ouais, mais ouais, normal. Normal, tu vois, les plus grosses chaînes, t'en as un à 30, super, ça double de la dernière fois, et puis l'autre à 21. C'est désert, il y a plus de monde dans la rue à côté de chez moi. C'est ça. Donc, ouais, moi je pense que ça c'est un peu l'avenir de la plupart des sites qui tentent l'aventure streaming jeux vidéo de manière aléatoire. Parce que là, Une possibilité à une époque Hitbox. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils ont changé de nom parce que Smashcast c'est dégueulasse alors que bah, Hitbox parce que c'est déshabitué en fait. Parce que pour te retracer un petit peu leur histoire, avant c'était déjà, ils avaient déjà un autre nom avant Hitbox. Avant c'était Owned. Own TV, et le problème de Own TV, c'est... Non, c'était Owned, en fait c'était Own 3D TV, ouais. Mais en fait le 3 c'était un E, donc c'était Owned. Ouais, c'est pas grave la prononciation, mais le truc c'est qu'ils avaient pas payé leurs plus gros streamers à l'époque. C'est ça. Et les mecs, plutôt que de les payer, ils ont préféré se barrer, fermer boutique et ouvrir une autre boutique. C'est déjà des habitués de ce genre de coups, foireux. Donc ensuite sur Hitbox, quand ils sont arrivés, je sais pas si tu te souviens du drama, mais je sais pas comment ils avaient réussi à avoir cette liste-là, mais ils l'ont eu. Ils ont eu la liste de tous les YouTube, enfin de tous les streamers Twitch qui existaient. Et le truc, c'est qu'ils ont créé des comment ça s'appelle, des chaînes à leur nom sans leur consentement. Et ça, c'était assez rigolo, parce que t'arrivais sur Hitbox TV, t'étais là, ouais, j'ai envie d'essayer, allez hop, je mets mon nom, comment ça, il est déjà pris. Et donc, du coup, t'étais obligé de communiquer avec eux pour le récupérer. Alors, sur Hitbox, directement, moi, j'ai pu lock Dieu. Hein, hein? Non, ça, c'était moi, Dieu. Sur Hitbox? Ouais. Hitbox, j'avais... Ah, bah, t'avais lock God? Ouais, non, Dieu, pas God, Dieu. J'ai dû te copier et le faire sur un autre site. Parce que Dieu... Ah non, moi c'était sur PlayerMe. Ah, sur Player.me. Player.me, ouais. Ah, parce que chez eux j'avais Log Dieu, d'ailleurs. Voilà, hop, ne pas enregistrer. Voilà, je l'ai là, Dieu, il est là.
Voilà, je me suis voilà, tu vois, Smashcast, je suis en dieu. Voilà, D'accord. pour toi, il est où mon... Il le Bah marque. effectivement, quand un site comme ça se lance et qu'il a l'air un poil prometteur, maintenant j'ai quand même pris l'habitude d'y aller et de lock tout de suite mon Ah pseudo. voilà, il est là, tu vois, Dieu, il a un abonné, Dieu. Ah, génial. Mais ouais, ça sert à rien. Ou alors t'as Lock God? Non, 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 c'était sur player.me, c'était la plateforme de stream de player.me que j'avais, la bouée de Dieu. Ah mais ils avaient essayé aussi le stream? Oui, Oh absolument. putain. Ok, tout le monde a essayé en fait. Tout le monde essaye en fait de récupérer le bébé. Le moindre stream de Tocard qui... Bah, en fait, player.me, maintenant, ils se sont alliés avec la plateforme de Microsoft de streaming, comment ça s'appelle? Beam, hein, enfin, qui a changé de nom maintenant, Mixer. je me souviens. Mixer, voilà. Je trouvais que Beam, d'ailleurs, était vachement plus sympa que Mixer, était vachement plus simple à taper, mais bon, après, c'est... Mais même chose, Mixer, le problème, c'est qu'ils payent pas. T'as vu un peu les taux qu'ils prennent Non. au CPM? Non, non, Bah, non. c'est la moitié de Twitch. Qui est Comment déjà est-ce que pas tu terrible, hein, sur veux... Twitch, hein, soyons Qui est honnêtes. déjà pas très bon, mais bon, qui est déjà bien meilleur que YouTube ou Facebook. Facebook, qui aujourd'hui donne rien du tout. Hein. Eh ben, bordel. Facebook, si t'es pas en contact direct avec la direction, avec les directions de ton pays, tu touches que dalle. Ok. Je pensais que ça payait un petit peu mieux quand même, tu vois. Ben non, 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 je trouve ça d'ailleurs un peu con de leur part parce que Mixer, t'as quand même Microsoft qui est derrière. C'est pas rien. Non, c'est Pourquoi pas est-ce personne. qu'ils sont pas capables de mettre un peu d'argent histoire d'attirer les gros streamers et de prendre une position dominante? Peut-être Parce que me qu'ils... dis pas qu'Amazon a des fonds illimités non plus, tu vois, c'est. Je veux dire. Bah, en même temps, Microsoft, ils ont une autre méthode bien plus fourbe, hein, pour avoir des streamers chez eux. Ça, c'est un truc que j'avais vu avec un pote. Si tu veux, il voulait. Enfin, quand il streamait de sa Xbox sur Twitch, le gros du problème, c'est que sur Twitch, t'avais une qualité qui était dégueulasse. Mais dégueulasse, hein, alors que le mec avait la fibre. Et sur Mixer, ça passait nickel. Ouais, mais du coup personne va regarder sur Mixer. Bah, non. Mais personne n'ira regarder ton stream Xbox Par contre, One ce sur qu'ils auraient Twitch. fait à la place, c'est que faire en sorte que tu streams, mais tu streams sur Twitch, mais ça passe aussi par Mixer, et il y a une meilleure qualité, ça aurait été plus intelligent de leur part. Ouais, mais tu comprends, ça aurait fait comme la politique Sony et sur les jeux multi, tu vois. Ça les aurait obligés de partager des royalties avec Twitch. Oh mon Dieu. Non, non, non. Franchement, ils sont tous partis dans une politique chevalier aventureux tout seul. Voilà, les seuls qui vont gagner pour l'instant, c'est Amazon. Amazon avec Twitch. Et je ne crois réellement pas qu'il y ait de place pour quelqu'un d'autre, tu vois. À un moment, j'ai cru. Ils ont réussi à loquer le truc parce que les subscriptions Twitch Prime et tout ça, bah, ça fait plus d'argent pour les. Ça fait plus d'argent pour les streamers. Et qu'est-ce qui fait une plateforme? C'est les streamers. Si t'as pas de plateforme, t'as personne qui vient. Si t'as pas de streamer, t'as personne qui vient. Et ils ont réussi à sécuriser les streamers de façon très intelligente. Mais pendant une époque, moi je pensais, tu vois, très bêtement, que YouTube allait réussir, allait percer là-dedans, parce qu'ils ont un nombre d'abonnés tellement, enfin de personnes tellement importantes que c'était impossible que Twitch fasse jeu égal, sans compter qu'ils avaient tous les créateurs de vidéos, t'imagines, Bah ouais. c'est énorme, Et à mais côté de rien. ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont pas payé. Ils ont fait l'erreur de base. Ils ont fait l'erreur simple à ne surtout pas faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu payes pas, pourquoi est-ce que les gens resteraient chez toi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourtant, il y avait des moyens de paiement, mais bon. Voilà, ils sont tellement contrariants au niveau des musiques, les bots sont tellement chiants et cons que ça en devient ridicule. D'ailleurs, ça commence à arriver sur Twitch, hein, les bots chiants et cons. Ouais, j'ai vu ça.
Donc on n'est pas à l'abri, je pense que Twitch, je ne sais pas combien d'années ça va durer, mais je sais pas. Je sais pas, je préfère rien en dire, mais c'est un peu bizarre, quoi. Déjà J'ai qu'on vu a... aussi des intelligences artificielles qui commencent à streamer. J'ai trouvé ça drôle. Sérieux? Ouais. Qui parle ou c'est juste... Ouais, elle parle, elle répète des trucs qui sont dits dans le chat principalement. Ah. Non, parce que ça, sinon, oui, c'est tout à fait possible et pas trop compliqué en plus à faire, mais... Des IA qui stream, quoi. Vous vous rendez compte, un de ces quatre, vous viendrez voir Data Reaper, ce sera une IA, quoi. J'installerai une IA, je ferai plus rien. Je serai dans mon bain pendant que je ferai la descente de l'addition. En mode rien à cirer. Allez, regardez mon bot. C'est ça. Non, c'est un peu nul en fait, oui. Bon, passons. Alors du bot, on va passer à... Oh là, oui, c'est le drama Microsoft et Nintendo qui ne voulaient pas de Yakuza sur Switch et Xbox One. Puis du jour où ça s'est vendu, ils ont fait... Ah bah finalement, ouais. Voilà, enfin bon, Microsoft et Nintendo, quoi. Alors que Nintendo, sur Wii U, il y a la compilation HD de Yakuza 1 et 2, hein. Enfin bon. Voilà, mais apparemment, d'après le créateur du jeu, ils n'ont pas compris la raison pour laquelle j'ai créé le jeu. Bon, à mon avis, ils ont très bien compris la raison pour laquelle tu as créé le jeu, mais le truc, c'est que ça se vendait pas assez. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça vendait pas assez. Puis du jour où ça s'est bien vendu sur PlayStation 4, bah oui, bah écoutez, on prend, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, mais le Feast of the North Star Lost Paradise fait avec le moteur de Yakuza et avec le gameplay de Yakuza d'ailleurs, duquel on disait ah, il va peut-être pas sortir, ce qui est faux. Enfin bon, c'est un jeu Sega. 90% des jeux Sega, mis à part Phantasy Star Online, Sega, si tu m'entends. Tous les jeux, sauf celui-là, sortent du Japon, donc c'est un secret de Polichinelle. Vous avez même fait un... Comment ça s'appelle? Un sondage. Est-ce que vous aimeriez le voir? En mode, ah, non mais on n'ose pas trop vous dire qu'il va sortir, mais on titille quand même la curiosité. Et il sort, hein, il sort enfin, je crois que c'est au mois d'octobre, quelque chose comme ça, mais bon. Alors après, je ne vous le conseille pas, hein. Les rares personnes qui l'ont touché sur console japonaise en japonais m'ont donné des retours assez catastrophiques, enfin bon, au minimum bidon. Donc c'est pas un jeu indispensable, vraiment pas quoi. D'autant que c'est un jeu qui a été fait avec le moteur de Yakuza, mais l'ancien moteur de Yakuza. En fait, c'est le moteur PS3 de Yakuza de la licence, porté sur PS4. Donc voilà, c'est pas. Ça n'a pas l'air fameux, et d'après les joueurs, le gameplay est pas fameux non plus. Donc à l'ancienne, quoi. Et du coup, toi, c'est pas du tout ta cam, hein, Ether. Pas du tout. Enfin bon, en même temps, Ken le Survivant, c'est un petit peu la licence maudite comme Senseiya, quoi. T'as un jeu ennemi qui sont pas mal, et puis le reste, à suivre, entre pas terrible et plutôt bidon. Parlons de pas terrible et plutôt bidon. Est-ce que t'as vu cette histoire au sujet de Ninja? Le ninja de Twitch. Ouais, j'avais regardé rapidement. Il veut éviter le drama, il veut plus inviter de nana. Voilà, il est plus streamé en compagnie de Nana pour éviter que sa communauté lance des rumeurs. Bon, en même temps, sa communauté, il y a quand même 80 000 viewers tous les soirs. Il se fait 30 000 abonnés à chaque nouveau stream. Je sais pas à quoi ressemble sa communauté finalement. Moi j'ai l'impression que c'est une communauté multiprotozoaire avec des trucs de partout, tentaculaires. Ben ouais, mais du coup, évidemment, sur 30 000, tu peux pas te faire 30 000 abonnés tous les soirs sans avoir quelques abrutis sur le tas. C'est ça, C'est ces abrutis qui parlent le plus. comme d'hab. Évidemment.
Mais... Enfin bon, le mec, bah voilà, il a décidé d'arrêter de jouer avec des streameuses féminines afin d'éviter. Bah, après, c'est un peu un retour de la Fermitoo, ce que j'avais lu dans les commentaires du truc, c'est qu'en fait, c'est une chasse aux sorcières qui est en train de se créer. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peur du backlash. Ils ont tellement peur de se prendre un bus de rumeurs depuis Internet, ils ont tellement peur du backlash qu'ils décident de plus interagir avec des nanas parce qu'au moins, ben, ils sont safe. À partir du moment où ils interagissent plus avec des nanas, il n'y a plus le risque de se prendre des accusations fallacieuses. En même temps, au bout d'un moment, les accusations, on n'en a pas un peu rien à foutre. Eh ben non, parce que quand tu vois ce que ça a fait à certains streamers, ça a détruit leur carrière à certains streamers. Et du coup, certains streamers dont je tiens à signaler, il y en a, c'était justifié, mais d'autres, c'était fallacieux. Et le problème, c'est que... Alors, pour ceux qui étaient justifiés, bien fait pour leur gueule, mais le problème, c'est que ceux pour lesquels c'était injustifié et qui aujourd'hui souffrent toujours d'une mauvaise réputation... Et ben c'est un problème et c'est le problème de ces mouvements de chasse aux sorcières, c'est qu'il y a forcément des bavures et ces bavures elles font mal à ça, elles font mal à des gens. Ouais, exactement, c'est exactement la même chose. Balance ton YouTubeur, il y a eu quand même des photos de bites, hein, qui ont popé, hein. Ah bah toujours, je vais pas dire, mais il faut toujours qu'on en revienne à ça, hein. Bah ouais. Mais bon, oui, je peux comprendre qu'il fasse ça, mais en même temps, je pourrais aussi comprendre qu'il ignore totalement aussi sa communauté, plus rien à foutre, quoi. Normalement, écoutez les gars, faites votre vie, moi je fais mon stream, je peux pas vous répondre. Parce que j'imagine pas la gueule du chat à 80 000, quoi. Et salut Papier Ah ouais, Price. Bah tu peux plus lire le chat à ce niveau-là. Déjà, lui, il a mis en place un chat pour les subs, déjà. Donc, c'est un chat qui n'apparaît que pour les gens qui ont payé. Donc, déjà, ça doit être un peu plus lisible. Mais ça reste. Ça doit rester compliqué, effectivement. Il y a combien de centaines de milliers de subs, rappelle-moi. Putain. Et ouais, le mec se fait des millions tous les mois. Bon, très bien. Et t'es pas à 500 000 euros par mois, un truc comme ça, déjà? Ah, bah, je pense que. Voilà, il est tranquille, hein. Là, c'est bon, il a touché la timbale. Et non, je n'ai pas usé de mon influence dans le Twitch game pour obtenir des faveurs de toi, Papillon Thérèse. Il n'y a pas de souci. Puis de toute manière, voilà, quoi. Moi, je préfère les filles. C'est quand même plus mignon, une fille. Somme toute, je suis d'accord avec toi que t'es assez beau. Je t'ai jamais vu en photo. Bon, on va arrêter le drama là, sinon je vais passer dans Balance ton Twitcher. Le drama d'Data Reaper, Papillon Thérèse. Le seul gros dossier que j'ai sur un Twitcher, c'est, enfin, j'ai la vidéo de la bite de Bob Lennon. Ah oui, mais tout. Un classique. Ça Le mec qui sort de la douche soi-disant et qui oublie d'éteindre son Twitch. Qui a oublié d'éteindre son stream et du coup, ben, full front cam directement, il arrive à poil devant sa cam. Ouais, tout va bien, tout va bien. C'est normal, c'est Twitch. Enfin bon. Et si on passait à quelque chose d'autre, peut-être un petit peu plus. Ça parlera peut-être aussi à Papy Antares. On va parler de sa jeunesse, sa folle jeunesse. À l'époque où il arrivait encore à tenir une manette sans trembler. Vu ton pseudo, désolé, il fallait que je la fasse. Et donc, l'évolution du jeu vidéo, qu'est-ce qui a changé entre notre jeunesse et maintenant? Qu'est-ce qui a fait que le jeu vidéo est devenu tel qu'il est? Cette espèce d'évolution des premiers jeux shooters, parce que bon, jusqu'à maintenant, quoi, les jeux sur cartouche, etc. Qu'est-ce qui a changé? Et justement, je voulais mettre un petit peu cette réflexion parce que j'avais lu cet article-là cette nuit
Il avait l'air d'avoir une assez bonne réflexion en se disant qu'en fait, ce qui a changé le plus entre les années 60 et aujourd'hui, ce n'est pas le média en lui-même, c'est le média en lui-même a évolué en fait en fonction des desiderata des joueurs. C'est les joueurs au final qui influencent cette industrie et pas le contraire, en tout cas selon lui. Chose sur laquelle. Ah, c'est surtout ceux qui mettent de l'argent. Ben oui, évidemment, mais. Si tu mets de l'argent, tu influences parce que tu choisis d'acheter quelque chose. Et je pense que c'est, en l'occurrence, effectivement, ça a évolué depuis les années 80, mais ça a évolué de la même façon que le cinéma a évolué. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se retrouve avec de la même façon que le cinéma. On se retrouve avec des gros blockbusters qui sont calibrés pour plaire au plus grand nombre. Et à côté de ça, on se retrouve avec des petits indépendants qui, derrière, essayent de faire passer des messages. Et parfois, il y a des petits films indépendants, comme des petits jeux indépendants, qui percent. C'est ça. Problème, c'est que on est dans une aujourd'hui, on est dans une période où on se retrouve noyé sous le nombre de jeux, parce qu'il y en a énormément. C'est un marché, je sais plus combien ça représente, le marché des jeux vidéo, c'est 200 milliards, c'est ça? Oh, j'en sais Quelque chose pas, j'ai comme ça? pas. Non, 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 Je j'en sais sais que c'était plus. de l'ordre de la, des centaines de milliards. Non, c'est au-delà de. C'est bien au-delà du. Des jeux de. Enfin, non, des films. Donc, Oui, ils ont dépassé. c'est l'industrie du divertissement qui rapporte le plus. Oui, absolument. Soyons simples, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais même si je suis d'accord avec toi, même si je suis assez d'accord avec ce que dit le mec, il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'industrie du jeu vidéo, parce qu'on parle bien d'une industrie, hein, ce n'est plus du tout le truc, c'est plus du tout le truc fait dans un garage ou dans une petite échoppe. Le problème est que cette industrie emploie aussi des marketeurs. Et je pense que s'il n'y avait pas les marketeurs, l'industrie aurait été totalement différente. Je ne sais même pas si on aurait parlé d'industrie. Ils ont réussi à ouvrir tellement grand et tellement fort le public que le public a complètement changé grâce à ça ou à cause de ça. On dira ce qu'on en voudra. Mais je pense que la problématique est aussi là, quoi. C'est aussi le marketing qui a forgé notre média. Ouais, je vois. En créant de nouveaux besoins, en s'intéressant à un nouveau public, ne serait-ce que les jeux Facebook. Hein, voilà, on est à une époque où des gens se réclament joueurs, alors qu'à une autre époque, ils auraient fait du tricot. Ils estiment donc 130 milliards actuellement le marché des jeux vidéo en 2017. Ouais. Donc, oui, le marché du jeu vidéo est totalement ouvert. 313,3% par an, ce qui est gigantesque, ce qui est énorme. Il n'y a C'est une rien croissance de pays qui du tiers-monde, grossit. quoi. C'est une croissance énorme, gigantesque. Il n'y a rien qui grossit à 13,3%. Si, les crypto-monnaies, on voit ce que ça a donné. Ça finit par s'éclater, on appelle ça une bulle. Et encore, à une époque, les crypto-monnaies, les 13,3%, c'était tous les jours. Sérieux? À certains moments, oui, effectivement, ça a été le cas. J'ai le souvenir du Bitcoin, où pendant 3 semaines, il gagnait 12% tous les jours. Ah ouais. Ok, 12% par jour. Je me suis amusé à l'époque, hein. J'ai fait un placement de 50 centimes. Les 50 centimes sont devenus plus de 1000 euros à la fin de à la fin du trimestre. Et du coup, t'avais arrêté à la fin du trimestre? Oui, non, moi je m'amusais, j'ai jamais mis de l'argent de ma poche et tout ça. Je regrette un peu aujourd'hui, hein, parce que je me dis que putain, j'aurais pu me faire de l'argent. Mais à la fin du trimestre, à la fin de 3 mois de trading pour le fun, ben voilà, j'ai transformé 50 centimes en plus de 1000 balles. Ok, que t'as pu récupérer au moins, dis-moi. Oui, les 1000 balles, je les ai récupérées. Ok. Ouais, bon, au moins c'est une expérience enrichissante, on va dire. Oui, effectivement. C'est déjà ça de récupérer, quoi, t'es pas totalement. Bon, si j'avais mis 10 balles aujourd'hui, je serais à l'abri du besoin. T'aurais eu 10 000 euros, non, 20 000 euros. 20 000. Et c'était à quelle époque, ça?
Pas 20 000 balles. Oui, si, j'aurais eu 20 000 balles, ouais. C'était fin 2016. Ah, c'est pas si longtemps que ça, le pire. Non. Donc, en 3 mois, c'est... Oui, mais aujourd'hui, maintenant, c'est crashé. Maintenant, les crypto-monnaies, beaucoup moins. Ça ne grossit plus à l'époque. Mais à l'époque, c'était la fin 2016. Le grand crash des crypto-monnaies a eu lieu le 21 décembre, entre le 19 et le 21 décembre 2016. Et avant ça, c'était la folie, c'était la fête du slip. En octobre, le Bitcoin était à 5000 balles. Le 18 décembre 2016, il était à 18 000. Tu vois un peu l'idée? Ouais, c'est... Ouais. Enfin bon, je fais des parallèles sur l'économie et sur le fait que voilà. Le problème, c'est que ce que les gens achètent, c'est les gens achètent du triple A, et c'est ça qui a changé ça, plus notre façon de consommer. L'arrivée des smartphones a changé énormément notre façon de consommer les jeux vidéo. Si tu regardes, t'as plus de la moitié du marché des jeux vidéo, c'est-à-dire donc t'as plus de 50 milliards, plus de 60 milliards qui proviennent du marché mobile. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, niveau gros sous, c'est effectivement si ça change, mais ça change parce que on a des médiums qui sont différents aussi des années 80. Aujourd'hui, les gens, on a les ordinateurs, on a l'internet qui s'est propagé. Aujourd'hui, on reste de moins en moins devant sa télé. On est toujours derrière des écrans. Mais en tout cas, on n'est pas derrière sa télé comme à l'époque. On est de plus en plus devant sa mini-télé de poche, qui sert aussi de téléphone accessoirement. Voilà, qui sert de téléphone, qui sert de portefeuille, qui sert de... voilà, qui sert de tout. Qui sert de porte, je veux dire, qui sert à draguer, enfin voilà. Sert de marqueur social aussi. À une époque, t'avais une belle montre, aujourd'hui t'as un téléphone dernier cri. C'est un peu ça, mais le jeu vidéo a évolué, je pense que c'est le consommateur et le jeu vidéo qui ont fait évoluer les deux, quoi. Les deux en même temps. De toute façon, c'est un consommateur qui fait évoluer le marché. Mais t'as aussi le marché qui fait évoluer le consommateur. Ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Oriente le consommateur, bien sûr. À partir du moment où t'as grandi dans un marché particulier, des trucs qui auraient pas semblé logiques à d'autres personnes te deviennent logiques parce que t'as grandi avec. Voilà, et donc on se retrouve avec un marché qui, de nos jours, je l'approuve pas vraiment ce qui se passe, j'approuve pas vraiment ce qu'ils font. Je trouve que cette génération est très triste, d'ailleurs. Mais à côté de ça, pas tant que ça. Enfin, le problème, c'est qu'elle est très triste dans les triple A et tout ça. Mais il y a tellement... En fait, notre génération de jeux, en fait, est tellement diluée. Il y a plein de bons jeux qui sortent en permanence. Mais en fait, il y en a tellement que, effectivement, les grands triple A, c'est pas eux qu'il faut surveiller aujourd'hui. Il y a de très bons jeux, mais ils proviennent plus de la scène triple A comme dans les années 90. Non, ils proviennent de la scène indépendante, quoi. Voilà. Les meilleures idées, aujourd'hui, de toute façon, les meilleures histoires, les gameplays émergents proviennent des studios de seconde zone. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir une 1080p si c'est pour jouer des jeux indés? Une 1080p, tu veux dire une GTX 1080? Ouais. Ça c'est différent que... tu vas consommer du coup du blockbusters. Quand tu vas au cinéma pour voir le dernier Avenger, tu vas pas y aller pour voir des scènes, pour y voir des nouvelles idées de mise en scène ou des jeux d'acteurs ou un scénario fou. Tu vas y voir pour te vider la tête et pour voir des robots géants exploser et pour en prendre plein les yeux. Et en fait, c'est ça la différence. Aujourd'hui, quelqu'un va acheter un AAA parce qu'il veut en prendre plein les yeux, parce que de temps en temps, il veut justement faire chauffer sa carte graphique.
Ouais, mais au cinéma, c'est différent d'un jeu vidéo parce qu'au cinéma, t'as pas besoin de changer de salle pour voir le film. Ça se joue sur la même toile. Ah ben pourtant si, aujourd'hui ils te vendent les films en IMAX, ils te vendent des films dans des conditions spéciales où ils vont te faire payer un surplus, ça plus les salles capables de gérer la 3D ou des trucs comme ça, t'as aujourd'hui dans le cinéma, en fin de compte c'est pas si loin, hein, tu sais. Sauf que effectivement, là, ton film, eh ben, tu vas le payer 60 balles au lieu de le payer 10 euros pour le voir. Ouais, pas faux. Pas faux, pas faux. Bon, en contrepartie, tu risques de passer plus de temps devant. Mais quand même, payer 10 euros pour voir un film qui va durer à tout casser 2 heures, bah, 5 euros de l'heure. Ben ça, il faut quand même rester quelques heures devant ton jeu vidéo pour commencer à le rentabiliser au même niveau qu'une place de ciné. Hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Enfin bref, en tout cas c'était bien intéressant de discuter de ça avec toi. Bon, c'est vrai que le chat ce soir est pas du tout répondant, il n'y a pas grand monde ce soir. Donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu plus de personnes pour la discussion, mais on fera mieux la prochaine fois. J'y crois. Et maintenant la nouvelle rubrique, les petits jeux gratuits. Radin Gaming. Radin Gaming, le gaming pour ceux qui n'en ont pas. Ouais. Ouais. Oh, attends, du coup, j'ai fermé la fenêtre du chat machinalement. Le chat, je ne vous lisais pas, désolé. Mea culpa, mea maxima culpa. Mais j'étais là. Balancer Donc. dans le lien, je vais vous balancer dans le lien quelques jeux vidéo. Alors, donc j'ai fait une sélection de jeux qui sont sortis la plupart du temps pour la Ludum Dare 42, donc qui a lieu la semaine dernière, et dans lesquels, donc qui était une game jam dans laquelle les gens devaient faire un jeu, avaient 72 heures pour faire un jeu vidéo. Et à la suite de cette game jam, donc qui est sorti pas mal de jeux, et dont certains plutôt sympas, et j'en ai sélectionné 5, qui peut, voilà, pour vous, juste que je réussisse ça. Voilà. Alors d'abord, est-ce que tu as les liens data de ton côté? Est-ce que j'ai les liens de la Lumdum Dare? Alors Non, attends. non, 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 Radin Gaming, je t'ai lancé l'article là en PM sur Discord. Ah, c'était ça ton PM? D'accord, ok. Alors. Yep. Pas Vadou MK, celui juste au-dessus. Non, parce que là j'ai trouvé une vidéo avec des jeux qui étaient sortis à la Lumdum Dare. D'accord. 42? Non, là il y a du Legend of Kassapa, Shaman, Steal Your Wifi, Fast Island, Joy Scout, D'accord. Barusen. Je ne connais Alors, pas. s'il y a moyen que tu me balances le premier lien vidéo de l'article. Overwatch, Junkrat? Non, celui que de mon article. Passe, là, tu es sur le site de Vado MK. Tu l'as mis où ton... Attends. Ah oui, ça doit être ça. Ok. Alors, juste un instant. Voilà. Merci. Office à sol. Absolument. Alors, je vais te caler ça. Non, vas-y, tu peux y aller. Hein. Alors, Office Assault, donc le but, c'est un jeu d'infiltration, hein, un jeu de bureau d'infiltration de bureau. Le but, c'est de pas vous faire spotter par vos collègues et de faire votre boulot, mais sans vous faire emmerder par vos collègues qui veulent vous rajouter une tonne de boulot. Et donc, c'est une infiltration un peu la MGS, et le jeu est vraiment cool. Vraiment, vraiment très sympa.
La pâte graphique est super. C'est fait avec. Il me semble que c'est de l'Unreal Engine. Et le jeu est gratuit. Et si vous voulez le choper, donc je vais vous balancer tout de suite un lien itch.io que je vais mettre dans le chat. Voilà. Je te fournirai tous les liens data pour que tu puisses les mettre dans la bio YouTube. Bah, tu l'as déjà sur ton article. Absolument. Alors en second, c'est Onirisme. Onirisme, alors... Qu'est-ce donc ? Alors Onirisme, c'est un jeu très sympa, visuellement. Alors celui-ci ne provient pas de la Ludum Dare. Il y a la démo... Vient juste de sortir. Le jeu n'est pas encore fini, mais la démo est vraiment, vraiment, vraiment très prometteuse. Et prometrice, oui. Enfin, bon, toujours est-il que... Prometteuse, d'accord. Toujours est-il que... c'est le jeu est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Si vous avez une occasion de... C'est 1 giga. Si vous avez le temps de télécharger 1 giga, essayez ça. C'est du platformer 3D. C'est du bon platformer 3D, il y a un peu de shooting derrière, il y a un peu de TPS, mais principalement c'est du platformer. Et ils ont fait ça et... en 72 heures. Non, c'est pas du 72 heures, ça c'est optimisé derrière. Voilà, effectivement. Ah, parce que c'est je trouvais ça superbe, hein, tu vois, c'est Ah, la pâte graphique est vraiment géniale. Rien à dire. Bon, franchement, ça aurait été fait en 72 heures. J'aurais dit, j'aurais tiré mon chapeau. Parce que les mecs ont réussi à faire, à avoir un rendu d'une qualité que des studios modernes n'arrivent pas à tirer en des années de travail. Ouais, c'est plutôt bien fait, ouais, je suis d'accord. Et c'est gratuit aussi, quoi. Absolument, toujours gratuit. En troisième plan, on vous. Juste balancer dans le chat. Voilà. En troisième point, il y a Grimder. Alors, c'est une parodie de Tinder. Hein. Alors, attends. Non, j'ai pas le lien vidéo de Grimder. Alors, malheureusement, il n'y a pas de vidéo en ligne. J'ai pas pu en trouver. Du coup, moi, j'ai eu la vidéo suivante, tu vois. D'accord, bah tu peux la laisser. Vas-y, Grimder. Toujours est-il que Grimder, donc vous allez jouer la faucheuse, The Grim Reaper, et toujours est-il que vous allez trier les personnes pour les envoyer en enfer ou au paradis façon Tinder, en swipant vers la gauche ou la droite. Et le jeu est vraiment vraiment très fun. Je vous balance le truc dans le chat. Tous ces jeux, je les ai testés. Malheureusement, comme j'ai dit, il y a 450 jeux qui sont sortis lors de la Ludum Dare. Donc j'ai pu en regarder plus une centaine. J'en ai testé une vingtaine et j'en ai tiré 5. Donc malheureusement, je n'ai pas pu tester tous les jeux qui sont sortis de cette Ludum Dare, la Ludum Dare 42, parce que c'était un travail gigantesque et je m'y suis pris hier soir. En tout cas, enfin, ce jeu, donc, vous allez envoyer les gens en enfer ou au paradis et en swipant vers la gauche ou la droite. Forcément, quand vous envoyez des personnes, à chaque personne, vous aurez une petite description. Donc, il a peur des hauteurs, il n'a pas nourri son chat. il recherche de l'attention sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Et toujours est-il que vous allez devoir juger une personne pour l'envoyer en enfer ou au paradis. Et vous allez gagner des points selon si vous réussissez l'émission ou pas. Mais attends, juste le jeu est simpliste. Hein. Ouais. Oui. Dis-moi tout. Un instant, je reviens sur Onirisme. Parce qu'apparemment, Onirisme, il l'a pas développé pour la Ludum Dare, ou alors pas de cette année, parce que... Non, c'est pas celui de cette année, non. C'est tiré d'une Ludum Dare, mais celui-ci vient pas de la Ludum Dare 42. Parce que là, il y a une évolution, en fait, de 2015 à 2018, quoi. Absolument, absolument, absolument. Et ouais, non, ok. Donc, on passe à la suite. Donc, le Loot Keeper... Ouais. Alors celui-ci, c'est relativement simple, c'est un petit jeu où le but, c'est un jeu de gestion d'inventaire, ni plus ni moins. Et donc du coup,
Je sais pas, là t'as renvoyé, je vois la vidéo d'Onirisme, hein. Oui, Je vois pas mais la. t'inquiète, c'est parce que t'as du retard. Mais là, je suis bien sur Loot Keeper. Là, je suis sur Alors, Loot Keeper. Ouais, vas-y. Loot Keeper, donc c'est un jeu de gestion d'inventaire. Donc votre but c'est de faire le plus d'argent possible en gérant les objets de votre inventaire au fur et à mesure que vous avancez dans le donjon. Le jeu est très sympa. C'est très fun comme gameplay, mais c'est très 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 un poil répétitif. Mais j'aime beaucoup la cadence du jeu. Juste un instant. Vas-y, vas-y, continue. Si Je vais vous juste voulez, vérifier. si vous voulez le télécharger, je suis en train de préparer le lien. Je le balance. Alors, même chose, le jeu est gratuit sur Itch.io. Pour une centaine de mégas, c'est toujours un jeu cool à choper. Il est disponible accessoirement, il est disponible sur Mac, et voilà. C'est suffisamment rare pour que ce soit relevé. Ok, donc excuse-moi, j'étais 3 secondes au téléphone. Pas de souci. Mais donc, ouais, donc ça, t'avais vraiment apprécié, quoi. Ouais, bah c'est un bon petit jeu, comme j'ai dit. En plus, il est disponible sur Mac, donc si vous avez un petit MacBook ou des trucs comme ça, bah c'est toujours bon à prendre. C'est vrai. Et le dernier jeu, alors l'avantage c'est que celui-ci, vous n'aurez même pas besoin de le télécharger, vous pourrez y jouer directement via browser. C'est Sorry Oh Sorry. Alors, vous êtes dans un concert, tout simplement, et votre but, c'est de rentrer dans le moins de gens possible tout en participant à toutes les festivités. Donc, D'accord. et le jeu est très, 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 très sympa. Je me répète un peu, mais bon, le but, c'est de rentrer dans le moins de gens possible et de gérer votre agoraphobie alors que vous êtes dans un concert de métal. Malade, ok. Donc, oui. Et donc, le truc, c'est Alors, qu'on... Ouais, vas-y, vas-y. tu y joues avec tes flèches directionnelles. Et donc, voilà, faut marquer le plus de points possible. Et c'est un bon petit jeu dans le sens où c'est de l'humour absurde et j'aime ça. Ok. Bon, bah, ça a l'air cool en tout cas. Ouais, t'as l'air de t'être amusé pour chercher tout ça en fait. Ouais. Ça a été plus de travail que ce que je pensais, mais Ok. Non, mais c'est une bonne rubrique, c'est intéressant. Puis ça permet de renouveler un petit peu ses expériences sans dépenser d'argent, d'autant en ce moment qu'on a vraiment pas besoin de ça, quoi. absolument. On n'a vraiment pas besoin de ça. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, je pense que... Si, quand même, t'as joué à quoi, toi, dernièrement? Dernièrement, j'ai joué à Hearthstone. La dernière extension de Hearthstone est sortie il y a un peu moins de 2 semaines. Et du coup, j'y ai passé énormément de temps. Ouais. Et j'ai résisté à la drogue, c'est-à-dire que je n'ai pas replongé dans World of Warcraft, qui, même chose, le week-end dernier, la nouvelle extension est sortie. Et je n'ai pas repris World of Warcraft, ce qui est un fait de force pour moi. Je n'ai pas craqué, mais je me suis contenté de la drogue douce d'Hearthstone. C'était quoi le nom de l'extension Doomsday, c'était ça? Ouais, exactement, Doomsday Project. Ouais, je suis en train de regarder ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Hearthstone et je sais pas Donc, si je m'y c'est un remettrai. peu le retour des mechas. Le retour des mechas qui avait disparu depuis l'extension Gnome versus Goblin. Donc ça va faire bientôt 2 ans qu'il n'y avait pas eu de mécanique mech dans le jeu. Et du coup, c'est assez cool. D'autant qu'en plus, ça apporte énormément de choses dans le mode de jeu Wild. Donc, qui dans le mode de jeu, on peut utiliser toutes les cartes, parce qu'on peut même utiliser donc les anciennes cartes mecha. Et du coup, on peut les utiliser avec les nouvelles et
créer des synergies assez, assez folles. Ouais. Bah, j'imagine bien. The Doomsday Project, Boomsday Project, excuse-moi, c'est une bonne extension. Un peu pété, je trouve. Mais bon, il y a des cartes qui sortent un peu trop du lot, mais je pense que une fois que la méta va se calmer un peu, ce sera suffisamment équilibré. Je vois. Mais non, moi de mon côté, j'ai joué à d'autres titres, parce que c'est vrai que là, on se complète toujours assez souvent là-dessus. J'ai joué l'autre jour, par exemple, à Layers of Fear sur le stream. Je sais pas si vous avez vu, mais ouais, parce qu'il me hypait pas mal comme jeu de. Comment dire comme jeu d'horreur. Voilà, c'est un jeu d'horreur qui se disait artistique. Alors, oui, il y a une part artistique. Oui, tu suis l'évolution d'un artiste. Mais non, ce n'est pas artistique, en fait, comme jeu. Parce qu'au final, on se retrouve avec un jeu qui n'en est pas, vu que c'est ultra linéaire. En fait, de gameplay, au début, on pense être dans un espèce de Doom, enfin de FPS un petit peu classique, tu vois, avec une maison à visiter, des trucs à faire à l'intérieur, un petit peu la Resident Evil, mais la première personne. Une sorte de Resident Evil 7 revisité. Mais en fait, non, on se retrouve en fait avec un long couloir, avec des actions à effectuer qui seront toujours les mêmes. Et au final, c'est ultra répétitif. Et la patte artistique revendiquée, elle est présente, mais c'est, si tu veux, ça reste soft. J'aurais préféré une patte artistique dans le gameplay plutôt que dans le graphisme. Et en plus, il est court. Enfin bon, 6h30 de jeu, c'est un peu. Ouais, enfin bon, en même temps, je l'ai eu gratuit. Hein. À un moment, il le donnait. C'est une déception. Ouais, c'est carrément une déception. Surtout à cause du côté couloir, en fait. Il n'y aurait pas eu cette histoire de couloir. Parce que très rapidement, au bout de 10 minutes de jeu, le jeu n'est plus qu'un couloir. Et il se finit en 6 heures. Donc, je voulais s'imaginer 6 heures de couloir. Tu peux pas aller à droite, tu peux pas aller à gauche, la maison ne se visite pas. En fait, si, tu visites la maison, mais vu que toutes les pièces bougent d'endroit en fonction de là où tu es, en fait, tu ne fais que marcher en ligne droite. Tu ne vas pas visiter pour trouver une pièce. C'est la pièce qui vient de te visiter. Donc voilà, ça manque vraiment de gameplay inspiré et de. Ça n'inspire pas du tout, quoi. C'est vraiment dommage. C'est là où ils se sont un petit peu foutus dedans, quoi, je pense. Ça, je trouve ça moche qu'ils aient fait un truc comme ça, quoi. Je trouve ça vraiment moche. Et puis bon, après, l'autre. Allô ? Ouais, je suis là. Je crois que ça a coupé un petit moment de mon côté, c'est pour ça. Ah, pas de soucis, désolé. Mais sinon l'autre jeu auquel j'ai pas mal joué récemment, c'est Gran Turismo Sport. Ah. Voilà, qui n'a une autre forme de drogue aussi. Un Gran Turismo Sport. En fait, ils ont enlevé tellement d'ingrédients qui ont fait son succès qu'au final, la drogue n'est plus là en fait. On n'est plus dans la simulation profonde comme c'était à une époque. Si, tu y es toujours. Le problème vient surtout qu'il manque plein de voitures. T'as qu'une fraction de ce qui se faisait avant. T'as aussi les courses qui manquent d'intérêt et tout se fait quasiment en ligne. On retrouve en fait on retombe dans ce qui s'est passé sur les Gran Turismo précédents, c'est-à-dire tu as un Gran Turismo sur deux qui est pas complet, quoi. Mais en fait c'est même pire que ça, les Gran Turismo précédents. En fait, à chaque fois il y avait des ingrédients qui s'en allaient, et là je pense qu'on est au summum de ce que peut être un Gran Turismo avec des ingrédients en moins. Là, il nous reste plus que l'essentiel, à savoir, l'essentiel en tout cas pour les développeurs, la customisation de carrosserie et de moteur. Quand je parle de customisation de carrosserie, ça se borne uniquement à. Enfin, c'est même la pas couleur.
Non, il y a quand même de l'aérodynamisme à customiser. Non, il y a pas mal de choses à customiser D'accord. sur la voiture, mais ça reste quand même, voilà quoi. C'est Oui, pas enfin ce que bon, je cherche, quoi. la customisation de carrosserie, autant jouer à Need for Speed, Ouais, mais là, je te parle de quoi. vraie customisation de carrosserie. Si tu veux, Ouais, c'est non, pour j'ai gagner du compris. centième de seconde pendant une course, quoi. J'ai compris, j'ai C'est compris. ouais, c'est jamais été mon plaisir, tu vois, dans un Gran Turismo. Moi, mon plaisir, c'était la collection de voitures. C'était pas du tout la customisation de l'aérodynamisme. Ce n'est pas du tout la customisation du moteur. D'autant que la customisation du moteur se fait en 5 minutes. La customisation de l'aérodynamisme dépend de tellement de facteurs que je me suis toujours perdu. Donc oui, mais non, quoi. Donc oui, mais non. Oui, mais non. Puis je me suis relancé aussi dans Witcher 3, mais je suis tellement au début que je vais éviter d'en dire quoi que ce soit. The Witcher, j'ai essayé de commencer par le 1 et ça m'a un peu vacciné. Il paraît que le 2 est meilleur, mais déjà le 1, les contrôles sont dégueulasses. Je sais pas pour le 2, mais le premier à l'époque, quand je l'avais essayé, oui, il était assez nul. C'était une espèce de clone de Neverwinter Night 2 avec des contrôles un peu bizarres. Et pourquoi clone de Neverwinter Night 2? Tout simplement parce qu'ils avaient acheté le moteur de Neverwinter Night. C'était le même moteur en fait. Mais sans le versus, sans le MMO, quoi. Non, sans le MMO, sans rien de tout ça. Enfin, en même temps, Neverwinter Night 2, à la base, ça reste quand même un jeu solo. Certes, le moteur est fait pour faire du MMO. Enfin, entre guillemets, du MMO avec maître de jeu, etc. T'avais un excellent moteur de ce côté-là pour essayer de refaire du jeu de rôle, mais avec une espèce de moteur de jeu vidéo. D'ailleurs, c'est un petit peu l'héritier de Vampire la Mascarade. Pour les connaisseurs. Ouais. Vampire. J'ai joué un peu au jeu de cartes, mais pas au jeu de rôle. Mais je parle Vampire, mais le jeu vidéo. T'as eu une adaptation en jeu vidéo de Vampire la Mascarade qui était. Vampire la Mascarade, effectivement, j'ai pas joué aux jeux vidéo. J'ai joué un peu au jeu de cartes, qui est original. Hein. À la base, c'était un jeu de cartes. Vampire Mascarade. Et puis C'était après, un jeu c'est de rôle devenu des jeux de surtout. rôle C'était un jeu de rôle C'est en fait. devenu un jeu de rôle papier, ouais, Non, non, par non, la suite. c'était. Non, à la base, c'est un jeu de rôle Ah, papier. Ah c'était oui, Mark pas. C'était un jeu Reinhagen de n'a rôle jamais fait de jeu de papier cartes. avant? Hein. Non, non. Autant pour moi. Non, mais parce que Vampire the Masquerade, c'est un jeu de cartes qui a été créé par les gens qui ont fait Magic. Ouais. Ouais, non, ils avaient récupéré Ah, je la croyais que licence. c'était tiré. Je croyais que c'était. D'accord, ok. Ouais, Je c'est croyais un que peu comme c'était tiré Pokémon Go. justement du Enfin, jeu de comme cartes. Pokémon plutôt, qu'est-ce que je raconte. D'accord. Non, Wizard of the Coast à une époque, ils rachetaient de manière intensive des licences. Wizard of the Coast, d'ailleurs, qui doit encore aujourd'hui se mordre les dents, enfin se mordre les doigts plutôt, de pas avoir accepté le deal avec Blizzard sur le jeu de cartes World of Vu comment ça a marché, Warcraft. World of Warcraft, et sur le nombre d'années, oui, ils s'en mordent totalement les doigts. Et c'est pas rien, quoi. Pas enfin, bon, bref. Bref, bref, Et bref. on parlait tout à l'heure de Cryptic. Ouais. De Cryptic, le studio qui a fait Champions Online. Toujours est-il que Cryptic vient justement de faire un deal avec Wizard of the Coast Ouais. pour éditer Magic the Gathering en MMORPG. But, ce serait donc de faire un MMORPG dans le monde de Magic the Gathering, avec toutes les licences qu'ils possèdent, ce qui est plutôt sympa parce que niveau histoire, il y a de quoi faire. Bah t'imagines bien, hein, Magic the Gathering, c'est des romans, c'est des jeux vidéo, il y a plein de trucs tout autour. Ouais, je sais, Magic the Gathering, c'est. Et en Cryptic, l'année dernière, ça fait un an maintenant, mais voilà, toujours est-il qu'ils ont signé le contrat et ils ont les pleins pouvoirs pour faire un MMO basé sur Magic the Ok. Bah écoute, moi je pense que ça va signer un petit peu la fin de ce Sunday l'Addition. Hein, que l'on. Il reviendra quand du coup Sunday l'Addition? On le fait revenir dans 2 semaines, la semaine prochaine, à la rentrée? Bah 2 semaines, ça me semble logique, puisque du coup ça nous fait tomber le 2 septembre. Ouais, donc directement sur la rentrée, vu que c'est le 3. Voilà, pour la rentrée.
Là, c'était l'édition spéciale où on a fait un peu le récap de ce qui s'est passé cet été, mais voilà, de ce qui nous ça a me semblerait logique. Ok, donc rendez-vous est pris dans 2 semaines, 20h ici même. Voilà. Ils n'ont pas intérêt à louper un MMO sur Magic the Gathering. Non, ils n'ont pas intérêt. Mais même, regarde le succès de Pokémon Go au final. Même si Pokémon Go, en fin de compte, ça a été un succès. Ça a été un succès. Ça a été un succès, mais c'est juste que effectivement, ça aurait pu être, ça aurait pu définir l'avenir du jeu mobile ou du jeu en réalité augmentée. Ça aurait pu être la folie. Quelque chose d'énorme. Je ne vais pas revenir dessus, mais bon, voilà. C'est quand même une belle occasion manquée. Alors, effectivement, un MMO dans l'univers de Magic, il y a la possibilité. Il y a une histoire gigantesque, il y a des dizaines de romans, il y a des personnages reconnaissables, il y a de très bonnes idées. Et je pense qu'il y a vraiment possible de faire des trucs cool avec l'univers de Magic, quoi. Et ça pourrait être le prochain WoW killer, parce que Cryptic, ils ont l'habitude de faire des MMO. Ils savent faire aujourd'hui, ils savent faire des MMO. Champions Online était un très bon MMO. Le WoW killer carrément quoi. Aujourd'hui, WoW est en perte de distance et en perte de vitesse. Et actuellement, il y a plein de gens qui attendent le MMO qui tuera WoW. Ou du moins qui remplacera WoW. Ok. Et donc, effectivement, je pense qu'on est dans une période où, dans les 5 années qui vont venir, il y a un MMO qui va remplacer WoW, effectivement. Et ça sera pas Star Citizen. S'il sort un jour, celui-là. Voilà. Star Citizen, ça remplacera peut-être WoW dans 10 ans. Ouais, ou alors on aura tellement attendu que la hype sera totalement retombée, ils se seront fait tellement de pognon qu'au final ils n'auront rien à cirer, ça les aura nourris pendant 15 ans, et puis hop. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Oui, hein, Star Citizen, c'est depuis 2012 qu'ils nous font voir l'Arlésienne. Ouais, ça commence à faire 6 ans. Ouais, c'est ça, 6 ans. Depuis 6 ans de développement pour un MMO, c'est plutôt juste. J'espère qu'ils sont pas loin de la sortie, hein, parce que là... Depuis le début du Sunday Edition, t'imagines ? Ouais. On en parle depuis ce moment-là, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, on va y aller, tranquillement. On veut vous remercier d'avoir suivi ce stream, en tout cas pour ma part je vous remercie. Hein. Je te remercie Ether aussi de m'avoir accompagné, de m'avoir... Bah écoute, c'était un plaisir. De m'avoir remis l'idée à l'oreille hein, de cette émission qui est finalement très bien, sur laquelle je m'amuse énormément. Puis à chaque fois, voilà quoi, on sort plein de trucs, on se remet en plein de trucs. Il y a pas mal de choses à faire de toute manière là-dedans et il y a pas mal de choses à partager. C'est surtout ça, partager la bonne humeur, partager l'envie de jouer, partager nos souvenirs, notre expérience de papy du gaming. Papy du gaming, attends, on n'est pas si vieux que ça, on n'est pas encore à la retraite, du moins. J'espère. Ah par rapport à la moyenne d'âge des joueurs, je suis désolé, hein, mais... Oh. On est au-dessus, là. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Laisse-moi espérer que je sois jeune. Oh mais voilà, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai 2 fois l'âge de quelqu'un de 15 ans, ça me fait mal au cœur, tu vois. Qu'est-ce que je dois dire, moi? Oui, non mais toi, je parle pas de toi. Ah bah non, on parle jamais de moi, je vais aller pleurer dans mon coin, je vais aller jouer, ouais, putain. Ok. Bon, en tout cas, ce fut très agréable. Donc, si jamais vous ne me connaissiez pas, si jamais vous ne connaissiez pas cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, c'est en dessous que ça se passe. Il y a un petit onglet abonnement, vous cliquez dessus, c'est simple. Et puis, si vous voulez, vous pouvez sub aussi, hein, ça marche. Hein. C'est ça, ça mange pas de pain, enfin si, un tout petit peu. Ah, si, un peu. Oh, par semaine, c'est même pas le prix d'une baguette au final, donc non, ça coûte rien, franchement. Et puis moi, ça m'aide en même temps, donc...
Franchement, c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner hein, pour savoir à quel moment est-ce qu'on va continuer à faire cette émission, hein, sur quel rythme, etc. Et surtout, les réseaux sociaux, tout ça. Les réseaux sociaux, Twitter, Data Reaper, etc. Donc, j'y reviens hein, petit à petit. Puis, tu as le Twitter de Ether, c'est... O-H-A-E-T-H-E-R. Oui, ça avait changé depuis l'époque, ouais. Ouais. J'ai corrigé un peu. C'était j'avais une faute d'orthographe que je trouvais drôle à une époque et qui a fini par me gonfler. Ah. Oh, c'était sympa en tout cas. Enfin, bon, ça dérangeait pas, je trouve. Ça dérangeait pas. Maintenant, elle n'existe plus. Non, maintenant il n'y a plus de faute d'orthographe. Il y a un oh, hey, tell. Enfin bon, bref. Avec mon accent américain, absolument génial. Bref, allez hop, des bisous tout le monde. Et puis de toute manière, soit tout à l'heure, soit demain. Demain, en tout cas, c'est une certitude. Tout à l'heure, je sais pas. Il faut que je révise quand même mon code. J'ai encore des choses à faire. Bah, révise ton code en stream. Bah oui, comme d'hab. Comme d'hab. Mais il faut que je le révise, quoi. Il faut que je le révise. Bon, allez, des bisous tout le monde. Et puis à très vite, on se retrouve. Allez, tchou tchou!